Alors, Védère? Non. Alors, la famille, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur la page de Franck la vérité. Celui qui dit la vérité, venez. Mon téléphone sonne il y a à peu près 10 minutes. Mon téléphone sonne, mes petits Benjolé, mes petits. Vous savez, au Gabon, on a cette faculté d'être toujours, d'être quand on est un bon grand, on est un grand, on a toujours des petits quelque part. Que tu sois Téké, Nzébi, Fan, Mienet, dès que tu as été bon avec le petit, il est à Libreville, il te donne le doc. Hey, Gabon, Gabon, Gabon. Donc, mon petit m'appelle de Njolé, il me dit que, oh grand, ici, là, ça ne va pas. J'ai dit, comment ça, mon petit? Média grand, non. Il y a des menaces ici, là. On va faire des choses simples. Mon bon petit Landry Amia, à qui j'ai dit qu'il devait mon ennemi numéro un. Mon petit Landry Amia va rendre la voiture de la mairie de Njolé. Landry Amia va rendre la voiture de la mairie de Njolé. Si c'est déjà arrivé à mes oreilles, moi à Paris, va rendre la voiture de la mairie de Njolé. La 100 Yong avec laquelle tu te balades sans plaque, va rendre. À base de non, c'est toi qui as fait nommer le maire. Donc, chantage. Et... bonsoir Yves, bonsoir Yves. Les choses du Gabon. Le petit m'appelle que non, le grand, il y a eu trois voitures qui ont été affectées à la mairie de Njolé. On n'a reçu que deux voitures. Une voiture est bloquée à Libreville avec le Landry Amia Washington qui dit que comme c'est lui qui a fait nommer le maire vous appelez ça comment, de Njolé, il garde la voiture. J'ai dit au petit, tu es sûr? Il me dit, grand, je vais t'appeler pourquoi? Appelle n'importe quelqu'un, n'importe quel gars de Njolé, là, 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 là. Il va te dire, s'il veut, il va te dire. S'il ne veut pas te dire, moi, je viens intervenir sur la vie, non, petit. Ne viens pas intervenir sur la vie. Donne-moi seulement la doc. Donc, la doc est la suivante. Il paraîtrait, ça se dit ici et là, que sur les trois, soit que c'est des 100 Young, une grise, que l'élément a gardé à Libreville, c'est avec lequel il se balade dans la capitale, et une voiture qui doit revenir à la mairie de Njolé. C'est ça la vérité. Et quand on lui demande des comptes, monsieur répondrait sans être sûr des propos, mais bon, j'en parle quand même, il est libre de faire un live pour dire que je suis un menteur. Il paraîtrait que quand on lui demande des comptes, monsieur menace le maire comme quoi c'est lui qui a plaidé auprès du président Oligui pour que le gars soit nommé maire de Njolé. Donc, il le tient plus ou moins par la partie la plus sensible. Donc, il est obligé de garder la voiture. Une voiture sans plaque, une 100 Yong grise. Il se bat dans sa Libreville. Alors, cette voiture est attribuée à la mairie de Njolé. On a tous critiqué le népotisme, le clientélisme. Et vous, qui dites que vous êtes battu pour le Gabon, vous faites les mêmes choses. Même pas un an. Vous faites les mêmes choses. On fait comment avec ça? Mes petits Denjolais m'ont appelé, ils m'ont dit, oh, voilà, voilà la situation, voilà, voilà la situation, voilà la situation. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Petit papa, la Sahyong grise là, va aller rendre. La 100 Young ou 100 Young ou comme ça, ils n'ont pas pu me donner exactement la marque. Mais ils m'ont dit ça, c'est une 100 Young. En tout cas, c'est comme un petit Vitara, comme ça, grise, sans plaque. Je dis, bah, faut aller rendre. Il faut aller rendre. Elle ne t'appartient pas. Hein? C'est une voiture qui appartient à la mairie. Vous gardez les voitures, pourquoi? Il y a eu trois voitures ou quatre voitures. Tu as bloqué une voiture. C'est pas bon.
Les petits m'appellent que tu menaces le maire, que c'est lui qui, c'est toi qui l'a fait nommer. Tu as intervenu auprès de Lydie pour que Lydie le nomme. Aïe! Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Transition, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Même si il a intervenu pour ça, pour la nomination du maire de Ndjoli, est-il devenu une épée Damoclès prête à trancher la tête du maire pour un véhicule destiné à l'administration? Peut-on dire aujourd'hui que le PDG et les mentalités du PDG sont partis avec de tels comportements et de telles mentalités? Landry Amiens va rendre la voiture. Sois un garçon. Tu reviens des States. Va la mettre ta voiture des States. Vous les grands hommes d'affaires, il paraît que les grandes sociétés, vous venez encore discuter les voitures de la mairie. Je t'avais prévenu que je vais gâcher ton business. Comporte-toi correctement, je vais te regarder à distance. Mais à chaque fois qu'une information va venir dans mes oreilles, que tu as chié, je vais t'exposer. De la même façon qu'on a exposé les pédégistes quand ils faisaient des conneries, Landry Amiens, je vais t'exposer à chaque fois que tu vas faire des conneries. Donc tu prends ton courage à deux mains, tu prends la voiture demain matin, le 1er mai, tu vas rendre la voiture à la mairie. Si elle n'est pas à la mairie, je saurai. Parce que les petits vont me dire. Si elle est à la mairie, je saurai. Parce que les petits me le diront. Donc tu as le choix. Un choix simple. Soit tu entends la voix de la raison, tu vas rendre le véhicule et je saurai que tu as rendu le véhicule. C'est pas la peine d'aller attaquer le maire. C'est pas la peine d'aller l'attaquer. C'est pas lui qui m'a donné l'information. J'ai des petits angolés. Comme tu vois que non, tu es un gars de bingoma, tu es un gars fort. Petit, laisse ça. Il y a plus fort que toi. Je suis loin. Je suis au courant de tout ce que tu fais comme connerie, comme magouille. Je ne parle pas encore. J'ai voulu attendre la fin du dialogue. Tu as cherché la guerre avec moi, tu vas la trouver. Tu as voulu me salir. Comme tu as avoué à Aimé Victor au téléphone que tu vas envoyer les gens m'insulter comme tu as commencé à envoyer. Envoie. Moi, je n'envoie personne. Je viens comme un garçon face à toi. Te dire que va rendre la voiture. Tu es un voleur. Ce que tu critiquais avant, là, ce que tu fais aujourd'hui, va rendre la voiture de la mairie de Ndjoli. Va rendre. Landry Amiens va rendre la voiture de la mairie de Ndjoli. Sans yon grise, en tout cas la couleur est grise, sans plaque avec laquelle tu te bats à Libreville, il faut aller rendre. Comme c'est toi qui as intervenu auprès de Lydie pour que Lydie nomme le maire. C'est toi le gars fort, oui, que Lydie te donne une voiture. Pour service rendu. Tu ne prends pas en otage une voiture qui est destinée à la mairie de Ndjoli. Tu tamponnes quelqu'un, il n'y a pas de plaque. Tu tamponnes quelqu'un, il n'y a pas d'assurance. L'irresponsabilité. Et c'est toi qui donnes les leçons. Si demain, 15h, tu n'as pas rendu la voiture là, je vais revenir sur cela. Je vais revenir sur cela jusqu'à ce que tu ailles rendre la voiture. Parce que tu seras humilié. Et tous les Gabonais qui vont te voir dans la voiture de la Libreville sauront que tu as bloqué la voiture de la mairie. Si tu es un gars fort, fais comme les autres. Otietie, Bitom, ils ont eu leur voiture. C'est à leur nom. Ils ont pris la voiture avec leur nom. Ils n'ont pas pris la voiture d'une mairie. Tu as les yeux, tu as les oreilles, tu écoutes, tu chuchotes à l'oreille du président. Et tu braques une voiture de la mairie de Ndjoli. Bonsoir Christelle. Et tu braques une voiture de la mairie de Ndjoli. Et tu crois qu'on va te laisser. De la même façon qu'on a critiqué quand les PDG se braquaient. De la même façon, on va te critiquer si tu braques. Tu ne peux pas. Landry va rendre la voiture de la mairie. Va rendre. Tu nettoies, tu rends la voiture. Eux, ils vont poser les plaques. Ils vont mettre la carte grise au nom de la mairie. Va rendre la voiture.
Tu peux menacer le maire. Menace le maire, mais moi je saurai. Ah, Gaël, il a pardon. Il est parti des États-Unis, il n'est pas venu avec sa voiture. Il vient maintenant prendre la voiture de la mairie de Ndiolé parce que c'est lui qui a fait nommer, en guillemets, le maire. Parce qu'il est pote avec Olivier, il a fait nommer le maire. Donc il garde la voiture. Sur trois ou quatre voitures qui ont été affectées à la mairie de Ndiolé, le gars il se bat d'aller pour venir avec une voiture. Sans plaque, grise, sans young. Pourquoi? Pourquoi il se bat avec une voiture? Il ne va rien vous dire ce qu'il faisait aux USA, c'était un fait-man. Je vous dis qu'aux USA, c'était un fait-man. Il n'a jamais eu d'adresse. Il vivait d'hôtel en hôtel. Je le dis là. Moi, le Ghanéen, il est venu chez moi. Hein. Ouais, moi, le Ghanéen, il est venu chez moi, dans ma maison. Lui, il vivait d'hôtel en hôtel. Il n'avait pas de maison aux États-Unis. Hein. Et moi, je continue à dire, je ne vois pas ce que lui, il a fait au Gabon. Il a renié la nationalité gabonaise en devenant américain. Il n'y a pas de double nationalité. Soit tu es américain, soit tu es français, soit tu es gabonais. Tu ne peux pas avoir Gabon-Amérique. Ce n'est pas possible. Tu peux avoir Gabon-France, oui. Mais Gabon-Amérique, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Quand tu prêtes serment aux États-Unis, tu perds ta nationalité d'origine. Mais ce sont eux qui viennent de discuter au Gabon. Ce sont eux qui viennent de discuter au Gabon. Ils peuvent justifier l'identité gabonaise. Est-ce qu'il peut justifier d'une identité gabonaise? Il est sur le territoire gabonais, il n'a même pas de carte de séjour. Il a un visa, c'est tout. Si on applique la loi, il doit avoir une carte de séjour. Tous ces gars-là. Ou bien il renie à nouveau la nationalité américaine, ils redeviennent gabonais. C'est tout. Tu ne peux pas avoir les deux. Et tu viens de visiter les voitures affectées à la mairie. C'est quand même terrible. Donc, l'André Amiens, les mêmes petits là que tu payes les bières à Ndiolé là, c'est les mêmes petits là qui m'appellent. Pour me dire que le grand, voilà ce que ton type fait ici, il n'est pas sérieux. Je te préviens déjà. Donc, tu as jusqu'à demain, la voiture avec ce bad là, tu prends ça, tu pars rendre à la mairie de Ndiolé. Tu ne bloques pas ça en otage. Ils me diront lundi ou mardi si tu as rendu, mercredi ou jeudi si tu as rendu la voiture. Demain c'est mercredi, donc jeudi ou plus tard vendredi, ils me diront si tu as rendu la voiture. Bonsoir Marie. J'aurais pu t'appeler, hein, mais je ne t'appelle plus. Je ne t'appelle plus. Maintenant je t'expose comme tous les bandits PDGistes, comme j'ai fait avec tous les bandits PDG, je les expose pian. Devant tout le monde, devant le peuple gabonais. Va rendre la voiture. Va rendre la voiture. Ce n'est pas ta voiture. Ce n'est pas ton agent qui a payé ça. Il paraît que tu dis partout que tu as payé un hôtel à Ndiolé. Landry, ma vidéo ne va pas être effacée. Hein. Mille, ton type camerounais là, mille, tu connais non? Mille, le camerounais, mille. Mille, tu connais non? Le camerounais là, mille, tu connais non? Tu connais? Laisse l'affaire de l'hôtel que tu as de raconter partout que tu as acheté l'hôtel à Ndiolé. Laisse. Ça va te créer des palabres. Parce que si moi je mets ma bouche dedans là, tu es mort dans ton film. Pour l'instant, j'observe, je te regarde faire. Juste à ce que tu viens me dire, tu fasses une vidéo pour donner des excuses publiques. Je vais te traquer. Je vais te traquer et ce sera moi. Je n'enverrai pas comme toi, tu n'as pas de courage là. Je n'enverrai pas les gens à gauche, à droite venir me parler. Venir te parler. Je vais venir moi-même avec ma vidéo et ma face te traquer. Je ne clash pas. Je ne clash pas. C'est un voleur. C'est un voleur. Gaël et là, je ne clash pas. Ce n'est pas un clash. Cette voiture a été attribuée à la mairie de Ndiolé. Pourquoi il la bloque? Il est travaillé à la mairie de Ndiolé. En quoi j'ai un clash? En quoi ce serait un clash? En quoi ce serait un clash? Ce n'est pas un clash?
Quand tu voles l'argent des retraités, on vient déclarer ça sur une page Facebook. En quoi c'est un clash? C'est pareil. C'est pareil pour celui qui profite des biens sociaux. C'est un détournement de biens publics. Ça appartient à la commune de Ndiolé. Il garde une voiture pour quelle raison? Il garde, explique-moi pourquoi il garde une voiture. Moi, je veux bien. C'est pas un clash où on s'est chiffonné une go ou parce qu'il a été au dialogue. C'est pas ce qui est important. Pourquoi il garde une voiture qui ne lui appartient pas? Pourquoi il garde une voiture qui a été attribuée à la mairie de Ndiolé? Pourquoi il garde la voiture? Pourquoi? Moi, je parle d'un principe qui est simple. Là, il est là. Je parle d'un principe qui est simple. Même si on mange dans la même assiette et que tu décides de voler le Gabon, je te trahis. C'est pas mon problème. Si tu voles le Gabon, tu ne me voles pas seulement moi. Tu voles aussi mes enfants et mes petits-enfants qui arrivent après. Donc, je t'expose pour que tu arrêtes de voler le pays. Vous ne pouvez pas accepter qu'on vienne critiquer tous les jours les bongos, les machins, les ceci, le PDG. Et nous-mêmes, quand on arrive aux affaires, on fait les mêmes choses. Et puis, nous là, qui avons critiqué les autres, on doit se taire. Vous êtes quel genre de Gabonais? Là, il est là sur la base de quoi la mairie de Ndiolé lui donne un véhicule. Ne viens pas nous faire les atalakos ici. Si moi je suis au courant de ça, c'est que les gars de Ndiolé, la mairie eux-mêmes, ils m'ont appelé. Vous voulez tu vous-même sauver ce qui est difficile à, c'est même pas compliqué à comprendre. Donc moi je prends une voiture. Non, mais les gars, les gars, je veux que tu m'expliques. Donc, je prends un véhicule de bon service de la DGDI, d'Assemblée générale des impôts. Comme on s'entend bien, je prends la voiture, je te donne. Ça ne te pose pas de plus problème. Une voiture que je n'ai pas achetée, une voiture qui a été affectée à la Direction générale des impôts, je prends, je te donne. Là, on est d'accord. Parce que tu viens de me dire que oui, ce n'est pas la mairie de Ndiolé qui le lui a donné. Mais enfin, il travaille à la mairie de Ndiolé. Mais il ne peut pas racheter une voiture neuve, Nick. Elle est neuve, elle n'a pas de plaque, elle est toute neuve. À dotation de l'État, à la mairie. Oh! Non, Gaël est là, on n'est pas fâché. T'inquiète pas, maman, on n'est pas fâché. Moi, je parle des choses en comparaison à des situations claires. Je parle des choses en comparaison à des situations claires. Oh là là! Pourquoi tu vois que je te parle fort? Je te parle en situation claire. Je dis ceci. Il a gardé une voiture. Pose des questions. Il a gardé une voiture. Il y a eu quatre voitures, trois voitures qui ont été affectées à la mairie de Ndiolé. Dans les deux, trois voitures, il en a gardé une sans plaque grise avec laquelle il se bat dans Libreville. Mes petits de Ndiolé m'appellent. Ils me disent, grand, il y a un problème. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh, voilà. Landry Amiens garde une voiture qui est affectée à la mairie de Ndiolé. Et quand on lui demande, il dit que c'est à cause de lui que le maire a été nommé à la mairie de Ndiolé, donc il garde la voiture. Donc tu gardes une voiture parce que tu parles avec le président Oligui à l'oreille et puis tu as dit au président Oligui, nomme le nouveau maire de Ndiolé. C'est mon ami, c'est moi qui fais en sorte qu'on te nomme. Donc comme on a payé quatre voitures, trois voitures à la mairie, je garde une voiture, je me bats à Libreville. Sans plaque, sans carte grise, sans assurance. Je ne comprends pas. Maintenant, si la mairie lui donne la voiture, je veux bien. Mais c'est encore un détournement de deniers publics. À partir du moment où moi, je suis maire, la voiture ne m'appartient pas. Elle appartient à la mairie. Donc, si le gars a gardé la voiture de la mairie, il faut qu'il justifie pourquoi il ne travaille pas à la mairie. Il ne travaille pas à la mairie. Pourquoi il garde la voiture de la mairie? Il ne travaille pas. Pourquoi il garde la voiture de la mairie? La question est là. Pourquoi il garde la voiture de la mairie? C'est comme si moi, j'arrive de France, le maire de la commune, le délégué de la commune de Vindo, c'est un grand frère avec qui j'étais à l'ESCAP. Le délégué Nombo, c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Et on s'entend très bien, on se parle toujours dans le groupe de l'ESCAP. Donc j'arrive, il prend une voiture de la mairie et il me donne.
Mais dis, bon, petit balade, toi, avec ça dans la ville. Il dit, non, quand tu peux me faire ça. Je ne travaille pas à la mairie. Tu vas justifier ça comment que tu m'as affecté une voiture de la mairie. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que les agents municipaux vont dire? Non, grand, si tu veux, tu me colles un chauffeur de la mairie à la rigueur qui me dépose là et quand j'appelle, il vient me chercher, oui. Mais je ne peux pas être au volant d'une voiture de la mairie. Ce n'est pas possible. Et encore, c'est pour tenir la Libreville. Ce n'est pas pour aller à me balader avec ça à gauche, à droite. Comme je voulais voir mon grand-père à Ndendé, le chauffeur de la mairie va prendre la voiture de la mairie, il m'amène à Ndendé. Mais il fait quoi depuis un certain temps? Il ne fait rien. Mais si ce n'est pas un acte isolé, donc on ne peut pas condamner les autres pour les mêmes erreurs. Vous voulez reconstruire un Gabon et vous continuez à tolérer les mêmes conneries? Ce que eux disent, je prête mes mots, qu'ils ont combattu, ils se sont battus pour le pays. Ils ont condamné ce qu'ils sont en train de faire là aujourd'hui. Le népotisme, le clientélisme. Donc, moi je ne peux pas venir te pointer, comme on dit, je ne pointe pas les fautes des autres avec l'universal. Donc je viens critiquer ce que les autres faisaient avant, et puis dès que j'arrive, je refais les mêmes choses. Mais s'il parle, il parle autant aux oreilles du président de la transition, pourquoi le président de la transition ne lui donne pas une voiture? Le président donne une voiture à Eric Ogbetsie. Le président donne une voiture à beaucoup de petits, à beaucoup de jeunes Gabonais là. Quand il les a croisés, pourquoi le président ne lui donne pas une voiture? Est-il obligé d'aller prendre une voiture à la mairie? Oui, monsieur Nicolas Ngala. Kaki Dumboloa. Non. Il faut qu'on soit capable de, si on veut changer les choses, améliorer le quotidien des Gabonais, parler d'un nouveau Gabon, on doit arrêter toutes ces petites mascarades-là. Jacques prend, il vient parce qu'il est proche, du président de la transition. Donc, comme il est proche du président de transition, les voitures qui ont été affectées à Ndiolé sont passées par lui. Lui, il a décidé qu'il garde une voiture pour Lupien. Puis voilà, tant pis. Et quand on réclame le véhicule, lui, il dit, c'est moi qui t'ai mis, c'est moi qui ai plaidé ta cause auprès du président Legui pour qu'on te mette en mer, donc je garde la voiture. Voilà ce que les petits m'ont répété. Le vrai, c'est que les petits m'ont répété. Donc ça, on laisse. Bon, ok. Bon, ben écoutez, dans ce cas, ok. Je suis, Christian Indra, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et encore que le président peut faire des dons. Mais le problème, c'est que ils ont reçu une voiture chez le président. C'est eux qui prennent la bouche, qui viennent raconter ça sur les réseaux sociaux. Vous savez combien de voitures Père Bongo a donné au Gabon? Aux Gabonais? Combien de voitures Père Bongo a distribué aux Gabonais? Vous avez entendu ça quelque part dans les réseaux sociaux ou bien vous avez entendu, même Ali Bongo a distribué les voitures. Vous avez entendu ça quelque part? Est-ce que vous avez entendu ça quelque part? Les gens qui roulent en véhicule là, partout, partout, là, même Ali Bongo a distribué, pêle-mêle. Vous les avez entendus venir faire le bruit sur les réseaux sociaux que non, le président a donné une voiture, machin. Jamais. Il y en a qui roulent à Libreville avec des véhicules, c'est écrit présidence de la République. Tu as entendu ça un jour qu'ils roulent une voiture de la présidence de la République? Jamais. Et pourtant, c'est un civil. Moi, j'ai dit, on continue à on fait la même chose. Donc, dites à Landry que si jeudi, je n'ai pas reçu les photos de la voiture ramenée à la mairie de Djolé, je viendrai lui rendre une petite visite. Il faut lui dire que bientôt il faut qu'il prépare sa carte de séjour. Hein? Il faut qu'il prépare sa carte de séjour parce que c'est bien de venir au Gabon, mais bon, quand on est américain, à un moment, il faut préparer ta carte de séjour pour repartir chez toi.
Faut pas avoir la tension. Les choses du Gabon, tu bois l'eau. Faut boire l'eau. Les choses du Gabon, faut boire l'eau. Non, je veux faire la tension ici. Hein. Donc, on ne peut pas. Je suis désolé, quoi, la famille. Moi, je ne peux pas venir vous dire des choses tous les jours sur les réseaux sociaux. Qu'il faut qu'on remette les Gabonais au travail. Il faut qu'on relance l'économie de notre pays. Et dès que j'arrive aux affaires, je prends une voiture ici. Non, mais c'est quoi, c'est ça? Une voiture? Qui est prévue pour la mairie de Ndjolé? Toi, tu prends, tu mets là ta poche. Sans plaque. Sans carte grise. Donc, ça veut dire que s'il a un accident, il renverse quelqu'un. Je ne le souhaite pas, je touche du bois, c'est pas mon souhait. La personne là, on ne sait pas qui était au volant de la voiture. Les nouveaux Ouattelais? Bah écoute. Bonsoir, Wissema, comment tu vas? C'est pas on m'a dit, hein, c'est les petits de Ndjolé qui m'ont appelé, ceux-là, même pas. Là, ça fait combien de temps que je suis en live là? Ça fait quoi? Une vingtaine de minutes? Une trentaine de minutes? C'est les petits même qui m'appellent midi grand. Voilà la situation au pays. Landry a mis à Washington, a bloqué dans les 3 ou 4 voitures que le président nous a envoyées à Ndjolé. Landry a bloqué une voiture grise, sans yonk, sans plaque, sans carte grise. Il se bat déjà les brigades. Comment ça? Le maire dit quoi? Or, le maire l'appelle. Il a dit au maire que c'est lui qui l'a nommé, c'est lui qui l'a fait nommer auprès de Ligui. Donc, s'il insiste, il le fait dégommer. Il dit, ah bon, hein? À bouche. Je suis heureux. Donc, il me dit, non, grand, faut pas rire. C'est la vérité. J'ai dit, tu es sûr. Il me dit, grand, je suis sûr. Si tu veux même, je fais le live avec toi. J'ai dit, non, ne fais pas le live avec moi. Parce que tu es au Libreville, on peut te faire ça, on peut te faire un truc. Laisse-moi même faire ça seul. Je vais assumer la responsabilité. Je vais assumer la responsabilité. Maintenant, j'ai dit que quand tu vas ramener la voiture, tu me fais la photo de la voiture. Tu me fais la photo de la voiture. Il va me faire la photo de la voiture. Il va me l'envoyer. Et je vais mettre la photo sur les autres pour comparer les personnes qui pourront dire, bon, est-ce que tu avais cette voiture? Est-ce que vous l'avez vu avec cette voiture ou non? Ah. Nouveau type du Gabon. Hein? Vous savez, je crois que c'est hier matin ou ce matin, on m'a envoyé une vidéo où le président faisait un discours. Et on entendait la voix de Landry en fond qui criait « Oligui, président, Oligui, président !» J'ai dit « Ah, d'accord. Ah, ok. » Oh, faut que j'ai dit « Non, non, ça c'est les détails, ça. » Donc, j'ai dit « Ok, d'accord. Très bien. » Ah, on regarde. Christelle, il ne m'a jamais insulté en face. Il envoyait les petits là m'insultant en faux. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas venir me parler en face. Je connais trop bien sa vie aux États-Unis. Il ne peut pas venir m'attaquer franco-franco, face à face. Il ne peut pas. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas. Argument contre argument. Fiche de paye contre fiche de paye, il sait qu'il ne peut pas. C'est-à-dire que argument contre argument, fiche de paye contre fiche de paye, fiche d'impôt contre fiche d'impôt, Landry ne peut pas me parler fort. Il ne peut pas. Il sait que je connais sa vie. Il sait que je sais ce qu'il fabrique comme business aux États-Unis. Il le sait. Donc, je n'ai pas fait étalage de sa vie de jeune. On joue sur le terrain politique. Petit papa, j'ai fini le live là. Petit papa, prends la voiture de la mairie de Ndjolé, va rendre. Je te dis ça déjà. Prends la voiture de la mairie de Ndjolé. Tu pars rendre. Quand tu as rendu, on me dit que tu as rendu. Je venais faire un live pour dire que bon, Landry a rendu la voiture. Il a compris que son geste n'était pas adéquat. On passe à autre chose. Maintenant, s'il insiste, ah, écoutez, il va me retrouver. Oh. David Toutoum, tu veux venir du coup au live? Viens, petit, viens. Viens, petit frère, viens. Attends, c'est où? Accepter les vignes toutou. Ah là là là.
Des vies élevées. Ah, au Gabon, c'est ça, non? Chacun fait son petit métier. Non. C'est pas Christelle, pardon, faut respecter le travail d'André, hein. C'est pas un nouveau Feynman. Non, c'est pas un nouveau, c'est un ancien. Mais là, il n'a pas le choix. Il est en train d'embrouiller. Mais on va, ça va, on va trouver, on va, ça va se savoir, ça va se savoir, ça va se savoir. Ah non. Il ne peut pas être maire au Gabon. Écoute-moi. S'il est maire à Libreville, ça veut dire deux choses. Soit il a repris sa nationalité gabonaise, soit le Gabon a négocié un accord avec les États-Unis. Il ne peut pas. On ne devient pas. Oh. On ne devient pas maire parce qu'on veut devenir maire. Ça ne marche pas comme ça. Tu es américain. Il a renié la nationalité gabonaise. Il va falloir qu'il renie la nationalité américaine pour prétendre à redevenir gabonais. Sauf que les postes, comme ils ont dit dans leur dialogue, n'est réservé maintenant qu'aux Gabonais. Comment ils vont faire ceux qui sont américains là? Ils sont nombreux là, à la DGDI, au pétrole. Ils sont nombreux là qui sont américains. Qui sont venus avec les passeports américains? La dernière fois, j'ai posé la question que est-ce que vous savez, est-ce que vous payez vos impôts aux États-Unis? Parce qu'un Américain qui travaille au Gabon, en Afrique, doit payer ses impôts aux États-Unis. Non, Sorolo, il n'y a pas de double nationalité entre le Gabon et les États-Unis. Quand tu prêtes serment, lève la main droite, la main sur le cœur, dis tu es le juge de devenir un citoyen américain, blablabla, tu renies ta nationalité américaine sur le coup. Tu renies ta nationalité gabonaise sur le coup. Il n'y a pas de négociation. Ce n'est pas en France où tu as double nationalité. Non. Renseigne-toi. En Amérique, il n'y a pas de double nationalité. Il n'y a pas de double nationalité aux États-Unis. C'est une nationalité. Tu renies l'autre. Apparemment, parce que celui qui aurait. Enfin, apparemment, parce que celui qui aurait, il paraît, positionner le maire de Njolé. Comment tu dis qu'il a le passeport gabonais? Il a le passeport gabonais. Donc, il n'est plus américain. Mais c'est grave ce que tu veux te dire là. Hein? Si les Américains sont retirés dessus, là, c'est des problèmes qu'il peut perdre la nationalité américaine comme ça. Hein? En tout cas. Si Américain, c'est très bien. Ah. Je te dis bien que demande à ceux qui sont aux États-Unis, ils vont te dire. Ils sont nombreux là, qui sont aux États-Unis. Tu ne peux pas avoir la double nationalité, c'est pas possible. Ou alors tu caches, tu violes la loi state. Non, et je recommence. La double nationalité française, c'est possible. Gabon, France, oui. Par exemple, pour le Cameroun et la France, il n'y a pas de double nationalité. Soit tu es français, soit tu es camerounais. Si tu es camerounais et que tu vas aller et que tu es devenu français, tu prends un visa de 130 euros à l'ambassade ici en France. À l'ambassade du Cameroun, tu prends un visa. Tu pars au Cameroun et quand ton visa expire, tu reviens. Sinon, tu fais une carte de séjour au Cameroun pour y vivre et pour y travailler. C'est ça la vérité. Ah, ok. Il de problème. Il n'y a pas de problème. A pas de problème. Mais normalement, c'est interdit. Tu ne peux pas avoir la double nationalité quand tu es américain. Tu peux l'avoir quand tu es français. Tu peux l'avoir quand tu es ivoirien. Tu peux l'avoir avec certains pays africains où il y a des accords de coopération, de diplomatie entre le Gabon et un autre pays africain. La double nationalité, ok. Oui, il peut avoir un passeport gabonais en étant américain sans le déclarer aux États-Unis.
sans le déclarer aux autorités américaines. Il n'y a pas que l'actrice, comment elle s'appelle, Samuel Lee Jackson, il a un passeport gabonais, mais il ne s'en sert pas. Il ne s'en sert pas. Il reste américain, il paye ses impôts aux États-Unis. Mais ça, c'est type politique, frère. Est-ce que tu veux que l'Américain va venir présenter un passeport gabonais aux États-Unis? Le passeport est enfoncé dans la valise. Ça reste là-bas, c'est même périmé depuis. Donc, enfin, bref, on ne va pas revenir dessus. Ce sont les petits détails de la vie. Moi, je dis toujours les choses qui sont claires. Je dis les choses qui sont claires. Dites à ton Soro, il faut dire à ton grand d'aller rendre la voiture de la mairie de Jolie. S'il n'a pas rendu ça jeudi, je reviens sur l'affaire là jeudi. Je reviens lui rendre une visite. Ce que j'ai dit, il ne déclare pas qu'ils ont le passeport gabonais, voilà. Non, 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 non. Il ne peut pas. Pour sortir des USA, ils ne sont pas le passeport gabonais, c'est impossible. Écoute-moi. Flavie, quand tu présentes un passeport aujourd'hui, dans les pays comme les États-Unis, la France, le passeport est biométrique. D'accord? S'il sort des États, s'il tente de sortir des États-Unis avec le passeport gabonais, perd sa nationalité directe, de facto, part, c'est mort. On oublie ça, il peut partir, il ne reviendra plus jamais. Donc, il est obligé de sortir avec le passeport américain, prendre un visa pour justifier sa destination, et il prend le passeport américain. C'est exactement ce que j'ai dit. Il voyage uniquement avec le passeport américain. Le passeport gabonais, c'est pour rester au Gabon. C'est pour juste pour vous là-bas, quand il vous montre qu'il est gabonais. Mais il ne peut pas en faire usage pour déclarer un document ou pour aller se faire enregistrer à l'ambassade des États-Unis comme américain résident au Gabon. Il va lever le passeport gabonais. Jamais il va lever le passeport américain. Voilà. 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 Donc, dites-lui d'aller rendre la voiture de la mairie de Njoli. Il a critiqué les autres, il ne veut pas continuer comme ça. J'ai dit à monsieur Jesse, il n'y a pas de double nationalité, oh, il n'y a pas de double nationalité entre les États-Unis et le Gabon. Et le Gabon, il n'y a pas de double nationalité. Il n'y en a pas. Renseignez-vous bien, il n'y en a pas. Tu as une nationalité. Parce que pour devenir américain, on est obligé de renoncer à son ancienne nationalité. Renseignez-vous. Les Américains, pour te donner leur nationalité, tu es obligé de renoncer à ton ancienne nationalité. On ne te dit pas de négocier les deux. Tu renonces. Enfin, ce n'est pas le but du live. Donc, dites-lui que j'ai dit dès qu'il aille rendre la voiture. Vraiment, dites-lui d'aller rendre la voiture de l'autre Anjolé de la mairie. Sinon, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ça ne va pas se sentir bon. Dites-lui que j'ai dit qu'il aille rendre la Sanyong grise sans plaque avec laquelle il s'est baladé dans Libreville, qu'il aille rendre Sanjolé. Qu'il aille rendre Sanjolé. Il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de carte grise. Il faut que la mairie écrive au gouvernorat. Pour que le gouvernorat attribue une plaque d'immatriculation et que le gouvernorat établisse une carte grise. Seulement à ce moment, tu peux aller payer une assurance. Il n'a rien de tout ça. Il se bat de cela dans la capitale. La nouvelle Young Team. Dis-tu d'arrêter. Bonsoir Karine Banga, ça va? Dis-tu d'arrêter. Comme celui qui est parti dire au président, on lui dit que il faut nommer le monsieur la maire de Ndiolé. Voilà pourquoi le maire de Ndiolé a peur de lui. Moi, je n'ai pas peur de lui. Dites-lui d'aller rendre la voiture. Dites-lui d'aller rendre la voiture. Sinon, jeudi, je reviens dessus. Vendredi, je vais revenir dessus. Peut-être même demain, je vais revenir dessus le 1er mai.
Il faut qu'il aille rendre la voiture. Tu ne peux pas, on ne peut pas avoir critiqué les bongos pendant toutes ces années-là et puis venir faire les mêmes choses qu'eux. Va rendre la voiture. Donc, il faut qu'on soit d'accord. J'en ai terminé. Moi, le président donne les voitures. Frère, va demander ta voiture au président à la transition. On va régler le nouveau voyou de la République. Dès qu'ils vont faire une connerie, on va venir taper. Oui, c'est marre. Mon point de vue, tu l'auras jeudi 2 mai sur le live que organise La Voix. La parole libérée, je crois que c'est ça, parole libre, parole libre, parole libre. Tu auras mon point de vue dans cette émission. Et j'ai envie de poser la question aux Gabonais. Qu'est-ce que vous attendez du dialogue au final? Attendez d'abord. Je vais vous poser la question avant de faire tout ça là. De vous dire, de faire mon débrief sur le dialogue national inclusif. Je veux savoir, qu'est-ce que vous, les Gabonais, vous attendez du dialogue? Parce que moi, je parle d'un principe qui est simple. Vous me donnerez peut-être tort, peut-être que mon analyse peut être biaisée, mais moi, je parle d'un principe qui est simple. L'OCTRI arrive le 30 août pour rendre aux Gabonais la dignité perdue, propos du président de la transition. Il a fait le coup d'État parce qu'il ne pouvait plus supporter la maltraitance du peuple. La question que je me pose, c'est les gens qui sont autour du président de la transition, quels sondages ils ont fait pour comprendre qu'est-ce que les Gabonais attendaient du nouveau Gabon que le président de la transition est en train de construire. J'aurais voulu qu'on me dise, qu'on pose la question à celui qui vit à Marmigné, loin, dans un village profond du Wellington. J'aurais voulu qu'on pose la question à un gars qui habite à Mabanda, un élève de Mbigou, qu'on lui pose la question, qu'est-ce qu'il attend du nouveau Gabon? Avec l'arrivée au pouvoir des militaires, qu'est-ce qu'il attend du nouveau Gabon? Des institutions fortes, oui, mais lesquelles? Une justice équitable pour tous, oui, mais laquelle de justice? Avec qui? Une séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l'exécutif. Mais est-ce qu'on a posé la question aux Gabonais? Non! On a choisi ce retard. Un certain nombre de personnes qui apparemment, mon papa était toujours les mêmes. Ces personnes ne sont pas allées à Moulegui Mbida, à Bitam, à Mivoul, demander au gars de Mivoul que qu'est-ce que vous attendez du CTRI. Les gens sont venus à Libreville, ils sont venus d'Europe, ils n'ont pas pu. Moi, j'avais pensé que pendant les 3-4 premiers mois, on serait allé récupérer. Enfin, peut-être pas récupérer, mais interroger les Gabonais de l'arrière-pays sur leurs attentes et puis commencer à travailler dessus. Non. On a pris les gars qui vivent à Libreville, qui sont tous en VX pour la plupart. On leur dit, venez vous asseoir au dialogue et puis débattons. Mon débat sur qui? Je le dis et je le redis encore.
À chaque fois que petit papa, Davy, ferme ton WhatsApp, pardon, ton Facebook, et tu reviens. Tu fermes, tu reviens, je te prends, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, excusez-moi la famille, vous pouvez dire que je suis peut-être un rêveur, mais à chaque fois, nos autorités gabonaises investissent plus sur le politique que sur le capital humain. Le capital humain, c'est vous, c'est moi, c'est la jeunesse. C'est 60% des Gabonais, 60% des Gabonais, sinon 80% des Gabonais qui sont au chômage et qui sont une valeur sûre pour le Gabon de demain. Mais s'ils ne sont pas impliqués dans le processus de changement, comment voulez-vous que le gars là vienne régler les problèmes pour moi, pour vous et pour les autres Gabonais? Quand il est en train de vieillir, il a 70 ans passés, il va régler les problèmes de qui? D'une génération, d'un Gabonais de 19 ans? Non. Oh, Eric Otité, bonsoir. Eric Otité. Donc, ton chef Landry a mis en Washington, bon, je blague quand je dis ton chef, il a pris en otage la voiture de la mairie de la Védère, il a pris en otage la voiture de la mairie de Ndiolé. Il ne veut pas les rendre. Il ne veut pas rendre. Hein? Le président lui a pas donné une voiture. Il a pris la voiture. Hein? Écoute, je sais que tu m'écoutes. Tu peux, si tu veux lire, tu veux lire seulement les commentaires. Il a pris la voiture de la mairie de Ndiolé. Il a gardé, vous l'avez salé. Sans plaque, une voiture grise. On m'a dit c'est un 100 yon, un truc comme ça là. Mais tu n'es pas au courant. Mais tu veux seulement lire les commentaires. Maryse, pour lutter contre le chômage, on nous a dit d'aller entreprendre. J'ai envie de te poser la question. Tu entreprends comment? Tu t'as formé dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement tu achètes, comme Obélix l'a dit, tu achètes des droits de 15 000, tu vends 15 000, tu fais 100% des bénéfices. Non, c'est pas comme ça marche. Mais, David, ton téléphone a quel problème? Moi, je t'accepte, tu ne veux pas monter. C'est pas comme ça marche, Maryse. Tu achètes des droits de 15 000, tu vends 15 000, tu fais 100% des bénéfices. Non, c'est pas comme ça marche. Pour former un entrepreneur à se préparer ou à s'engager dans la. Dans le métier d'entrepreneur, il faut lui expliquer tout, de bout en bout. Je te prends un exemple, Maryse. Je te prends un exemple, Maryse. On va faire simple. Si tu n'as pas dit au Gabonais que à chaque fois que tu vends un produit, tu dois payer à l'État une taxe. Le Gabonais ne sait pas. Il y a une différence entre l'entrepreneuriat et le business. C'est informel. Qu'est-ce qu'il vous propose exactement? Informel ou un entrepreneur avec un numéro fiscal, tout ce qu'il va avec derrière. C'est tout un processus de formation. Il faut former le Gabonais, il faut avoir une banque qui va l'accompagner. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. David, tant ça ne marche pas. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Hein? Je te vois bien connecté. Attends, j'essaie de te faire monter moi, mais ça ne marche pas. Je ne crois pas. Davy, invité, ajouté. Est-ce que tu as reçu l'invitation là-bas de Davy? Voilà. Tu vois, Maryse, que dit la loi? Davy, je t'envoie la demande. Je t'envoie la demande en cours. Que dit la loi, Maryse? Que dit la loi? La loi dit que quand tu montes ton entreprise, tu dois payer ça. Tu payes ça comment? Par mois, par trimestre, par année. Tu dois payer ça à la mairie, tu payes ça à la mairie. C'est quoi les textes qui te disent, qui te poussent à payer à la mairie? Il va seulement te dire que voici ce que je dois payer. Tout ça, il faut qu'on te forme. Il faut rencontrer un comptable qui va te former. Va te former sur comment faire pour créer une entreprise, sur les taxes que tu as payées. Et là encore, ça coûte cher le comptable. Parce que le comptable,
il va te parler de la fiscalité, il va te parler des taxes inhérentes à ton secteur d'activité. Il y a plein de trucs qu'il faut qu'on t'explique. Tout ça, il faut. Ah, les visas refusent de monter. Tout ça, il faut que tu aies une formation dessus. Après, quand tu as acquis la formation, on va te dire, bon, maintenant, Maryse, faut monter ton business plan. Après ton business plan, on va te dire, Maryse, il faut que tu ailles maintenant auprès de telle banque. Mais telle banque, où tu dois payer entre 15 et 18% de taux d'intérêt, quelle banque va t'accompagner? Il n'y a aucune banque nationale au Gabon. Quelle banque t'accompagne? Tu oublies d'aller voir une banque étrangère, une banque UGB, c'est plus gabonais. L'autre banque, c'est quoi? BCIG, c'est pas gabonais. L'autre banque, c'est quoi? UBA, c'est pareil. Aura Bank, c'est pareil. En fait, il reste quoi? BGFI, mais tu t'en sors pas avec BGFI. À quel taux d'intérêt? À quel taux d'intérêt? À quel taux d'intérêt? 18%? Parce que je vois que la CEMAC, la BVMAC, CEMAC propose 13 ou 14% de taux d'intérêt. Et puis après, il faut que la banque fasse sa marge dessus. Tu te trouves à 18, 15, 16, 17, deux fois 18% de taux d'intérêt. Voilà. Entreprendre, c'est bien. Mais entreprendre, tout est déjà, c'est entreprendre comment? Entreprendre, on va te dire de vendre des perruques, on va te dire vendre les ongles, voilà, on te dit entreprendre. Non. Pourquoi on ne te dit pas que le ministère de la culture met à disposition des terres érables pour les Gabonais qui veulent planter? Voilà un truc un projet qui est simple. Voilà un projet qui est simple. Le Gabon crée l'agence de l'alimentation qui est en accord. Ah, Davy, ça ne marche pas. Le Gabon crée l'agence de l'alimentation qui sera sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture attribue les terres aux Gabonais. Mais la terre ne t'appartient pas. La terre appartient à l'État. Toi, ce que tu fais seulement dessus, c'est planter. Quand tu as planté, au moment de récolter, c'est la mairie, c'est l'agence gabonaise de l'alimentation qui rachète ton produit fini après récolte dans les cajots, rachète ton produit et puis va revendre ça, va mettre dans la distribution au niveau de la maison du commerçant que notre jeune frère Mikala Ferris est en train de mettre en place. Eux, maintenant, ils redistribuent ça aux revendeurs au quartier. On commence à consommer gabonais. Maintenant, comment on met ça? On dit, bon, par exemple, Maryse de la Lumière, elle va planter les tomates. Planter des tomates, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ça. OK, c'est quoi le coût? C'est ça le coût. OK. On va poser comment ça s'appelle ça? Les branches des palmiers sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 000 mètres carrés. Toi, le bas, tu as seulement la terre. Parce que quand il pleut à Libreville, on sait comment ça finit. Tu vas tuer tes plants de tomates. On va prendre Gaël et là, on va lui dire, toi, tu vas planter les oignons. Va planter les oignons. Franck, il va planter les choux. L'autre va planter les carottes. Et puis, tout est aligné là-dessus. C'est l'agence gabonaise d'alimentation qui vient seulement racheter ma marchandise. Dans l'achat de la marchandise, là, je paye mes taxes dessus. Il me donne le reste pour que je recommence mon cycle de plantation. Mais par contre, il faut rester clair. Mais non, ce n'est pas trop de pouvoir à l'État. Dans la mesure où je joue aujourd'hui, si moi je vois ça dans ce sens-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, on commence à réduire le panier de la ménagère. L'État rachète ta production. Pourquoi ça devrait être trop de pouvoir à l'État? C'est déjà qu'on n'a pas les moyens de transporter. Monsieur, je ne sais pas si c'est Monsieur Parfait, on va répondre quand même si c'était Parfait. Parfait. Si moi je rajoute le transport de Plaine à Yémé ou de Oyan 2 à Libreville à mon kilo de carottes, je ne participe pas à la baisse pouvoir d'achat des Gabonais.
Quand on sait combien coûte le litre de carburant aujourd'hui à Libreville, c'est chaud. Le prix du kilowattheure électricité, c'est encore chaud. Sans compter l'eau, c'est compliqué. On fait comment? Ça marche dans les pays, pourquoi ça ne marcherait pas au Gabon? On n'est que 2 millions d'habitants. Les Camerounais nous parlent mal parce qu'on va prendre le piment et les tomates chez eux, alors qu'il y a des Camerounais qui peuvent planter le piment. Le piment, c'est un pic dans le sol. Quand ça pousse, tu mets une ficelle pas trop serrée en fil de fer qui maintient ton truc droit sur la baguette. Quand tes plantes, ça pousse. Et il faut investir les produits à court terme. On ne va pas les planter les ananas. Les ananas, il faut compter en 18 et 24, sinon 36 mois pour certaines variétés d'ananas. Pendant les 3 ans, là, le gars, il fait comment pour vivre? Il faut faire les cultures de 3 à 4 mois maximum. Dedans, tu as le piment, tu as le foulon, tu as l'oseille, tu as les aubergines, tu as les oignons, tu as les tomates, tu as les arachides, tu as les choux, tu as les carottes. Ça, c'est vite. C'est vite. Très, très vite. Quand l'agence d'alimentation a produit le surplus, il va dire bonjour, Sylvain. Il va mettre ça ailleurs. Il y a des endroits. Qu'est-ce qu'on peut planter à Lambaréné? Lambaréné devrait être un hub de l'agriculture où on aurait installé, par exemple, l'agence gabonaise de l'alimentation avec un grand hangar on sait que tous les produits de la terre sont répartis. Ce qui va à Ouyem, ce qui va à Port-Gentil, ce qui va à Libreville, ce qui va à Cochetot, ça va embarriner. On peut même planter une partie de là. On peut même, si on est malin, transformer là sur place. On commence à transformer la farine de patate douce. On commence à transformer la farine de patate douce. On commence à transformer la farine de patate douce. Et puis on donne à un, deux boulangers. Ils testent. Ils testent les crêpes, ils testent le pain. Ça va limiter l'importation de la farine de blé, qui au passage n'est pas de très très bonne qualité. Parfait, je suis d'accord avec toi. Parfait, à partir du moment où les terres appartiennent à l'État, si on doit attribuer des terres à un Gabonais, il faut que le Gabonais soit capable de payer sa terre, de rembourser le crédit d'engagement de sa terre. Donc, on trouve toujours une solution. Ce que tu dis n'est pas faux, je suis d'accord avec toi. Il faut que la terre revienne après à l'exploitant. On est d'accord. Pour que la terre revienne à l'exploitant, il faut qu'il y ait un contrat tripartite entre l'exploitant, l'État gabonais et l'agence de l'alimentation. Parce que le jour où l'agence d'alimentation n'achète pas le produit du commerçant, il ne touche pas le montant nécessaire pour payer sous son crédit à l'État. Voilà. Pourquoi l'État? Parce que si l'État achète en gros ou achète tout le stock, le coût est forcément réduit et permet de réduire le panier de la ménagère quand ça arrive dans la distribution. L'autre va aller planter les poivrons, l'autre va aller. Enfin, on peut beaucoup planter au Gabon. Et là, la question de savoir, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais qu'est-ce que l'État met en place pour permettre aux Gabonais, aux jeunes Gabonais d'entreprendre? Je vais vous donner un exemple simple. Moi, je peux venir à Libreville. Je plante sur 10 000 mètres carrés. Je plante que la patate douce. Je plante que la patate douce. Ma patate douce, je ne la vends pas. Je la récupère. Je la transforme en poudre, en féculent, poudre. Donc farine de pomme de terre, farine de patate douce. Et puis je contacte un de boulanger. Faites-moi le pain à base de farine de patate douce. Il va me tester le pain. Il va tester, il va voir ce qu'il fait, comme il fait avec sa farine de blé. Il va mettre au four. Comment ça devient? Est-ce que c'est ça le même goût? Est-ce que c'est consistant? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est comme ci? Est-ce que c'est comme ça? Oh, Sylvain, le sujet c'était. En fait, à la base, je voulais couper le live, mais les Gabonais ont voulu intervenir sur deux, trois choses. À la base, c'était
de dire à Landry d'aller rendre la voiture de la mairie de Ndiolé qu'il a gardée. Le CTRI a affecté 3 ou 4 voitures à la mairie de Ndiolé et Landry en a gardé une pour lui seul. Donc, je lui disais d'aller rendre la voiture, que ce n'était pas la peine qu'il aille menacer le maire de Ndiolé parce que c'est lui qui l'a fait nommer auprès du président Oligui pour qu'il devienne maire de Ndiolé. Ce n'est pas la peine qu'il aille le nommer. Donc, il rentre la voiture de la mairie de Ndiolé, c'est tout. Après, il y a une compatriote qui a demandé, Maryse Rismard principalement, qui a demandé et qui a dit qu'on les envoie tous entreprendre. Entreprendre, ce n'est pas mauvais. Le problème, c'est quel est l'accompagnement que l'État peut mettre en place pour accompagner les Gabonais à devenir financièrement autonomes. Donc voilà ce qu'on est en train de faire, des propositions qui permettraient éventuellement à l'État de remettre les Gabonais au travail, attribuer les terres, rendre les terres arables, parce qu'une terre c'est bien. On te donne, j'ai dit une connerie, on te donne 3000 mètres carrés de forêt en saison sèche. Si elle n'est pas prête à être cultivée, il faut aller abattre les arbres, il faut désherber, il faut brûler, il faut faire ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, si l'État a déjà nettoyé la terre et a dit, bon, ici, on met 5 000 mètres carrés pour ça, là-bas, 5 000 mètres carrés pour ça, là-bas, 5 000 mètres carrés pour ça, et que là-bas, il va falloir qu'on mette des panneaux solaires pour pouvoir pomper l'eau de la rivière qui est à 4 km ou à 6 km pour qu'elle vienne arroser les champs. Tout ça, il faut tenir compte de tout ça. Donc, ce n'est pas juste que l'État donne un cadeau de l'éther et puis vous êtes là. C'est ça, vous coupez l'éther. Il y a 25 000 de coupés. Là, tu coupes ça avec quoi? Tu n'as pas d'argent. Aucune banque ne t'accompagne. Tu ne peux même pas hypothéquer la terre pour investir dessus. Tu n'as pas. Donc, tu fais comment? C'est très, très, très compliqué. Comment on fait pour mettre ces mécanismes en place pour que les Gabonais sentent qu'il y a une partie, il y a l'aide. Le génie militaire peut très bien, je ne sais pas qui m'a dit ça la dernière fois, c'est un petit Gabonais qui me disait que, mais grand, le génie militaire peut bien aller les nettoyer. Et puis, on n'est pas obligé de rester à Libreville. On peut aller planter à Mouila, on peut aller planter à Lambariné, on peut aller planter à Ndendé, il y a les savanes là-bas. On peut aller planter à Francéville. On peut aller planter partout au Gabon. Dans tout point de substance, de subsistance. Ah, lui a mis, il survit. Subsistance. Qui est subsistance? Tu as vu, c'est ce qui est dommage au Gabon. Subsistance, parce qu'ils veulent toujours avoir le contrôle sur les population. Donc, ils vous disent, ouais, faites de l'entrepreneuriat de subsistance parce que quand c'est compliqué, ben, ils viennent toujours avec leur fameux don. Leur fameux don. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les Gabonais comprennent qu'on ne peut pas continuer à vivre de dons. 50 ans, tu continues à vivre avec les dons. Les dons, les dons, les dons, les dons, mais c'est compliqué, quoi. Tu es né dans les dons. Tes enfants naissent dans les dons. Tu vas mourir dans les dons. Tes petits-enfants vont naître dans les dons. Enfin. Donc, voilà un peu les choses de votre pays. On en parlera peut-être un de ces jours. Avec le compte Biwini, on parlera, on fera quelques projets sur le lancement, mais bon, on va voir. Ah. On va voir comment on peut motiver nos dirigeants gabonais. Et tu vas me faire Mbolo. Mbolo, mon frère. Écoute, je vais assez bien. Ben, écoute, je te le dis comme tu me le demandes en live là. Fatigué, très fatigué. À ta fille, quand on a opéré, là, ça s'est bien passé. Là, vendredi dernier. Donc, faire des tours et tout ça, et le travail, bon, ça ira. Elle est sortie de l'hôpital hier et il y a éventuellement le médecin qui ira changer de temps en temps
son pansement. Ça se passe bien, elle va bien. Okay, ça marche. Donc, je suis arrivé, mais quand j'entends le dernier mot qui vient de sortir de ta bouche, là, l'entrepreneuriat de subsistance, mais nous le faisions, ce n'est pas toi, nous le faisions depuis nos parents. Lorsqu'on faisait nos champs, c'est l'entrepreneuriat de subsistance. Les villageois disaient, cette année, on va planter ceci ou cela là-bas, le manioc là-bas, là, l'arachide, bientôt décembre là. Donc, bientôt, ils vont défricher la partie où ils vont planter l'arachide et le maïs. Donc, c'était pour la subsistance. Qu'est-ce que les boutumes de manioc là, le manioc qu'on préparait, puis on vendait un petit peu, 3 ou 2 paquets que les grumiers là, enfin les chauffeurs de grumiers achetaient. C'était la subsistance. Qu'est-ce qu'il entend par entrepreneuriat de subsistance? L'entrepreneuriat de subsistance, c'est ce qui a fait que quand Bongo a vu que le Gabonais savait faire l'entrepreneuriat de subsistance, il n'a pas voulu le cacao, le café. Quand tu allais en vacances, moi j'ai eu cette chance de casser les cabosses de cacao. C'était l'entrepreneuriat de subsistance. Pourquoi on veut faire croire aux Gabonais qu'on a le gros français? La subsistance, c'est ce qui suffit à une maisonnée, à un village. Mais attends, on nous parle de quoi là? L'entrepreneuriat de subsistance, c'est que, Bisigui, oui, cette nuit-là, mon frère, oui, on entreprend quoi? Une chasse de nuit ou bien on va à la pêche pour pêcher les silures qu'on pourra revendre? Non, mais il y en a qui continuent à vouloir maintenir le peuple en captivité, malheureusement parce qu'ils estiment que ce sont eux qui sont les oreilles du président de la transition. Je le dis clairement sans état d'âme. Il y en a qui estiment qu'ils peuvent maintenir les autres en captivité. Il y en a qui estiment qu'ils ont plus de droits que les autres parce qu'ils écoutent ou parce qu'ils rencontrent de temps en temps le président de la transition. Ben. Écoute, qu'ils mettent le président dans des mauvais draps. Parce que lorsqu'on est président, comme on le dit partout, on est président de tous les Gabonais. Lorsqu'on est transitionnaire, soit-il, on est président de tout le monde. Parce que lorsqu'on nous allons réfléchir sur les dons donnés aux Gabonais, donc un véhicule, 4 ou 5 millions, ça veut dire qu'il doit le faire fois 2 millions d'habitants. Sinon, toi, tu peux refuser de prendre la voiture. Donc, on va voir le coût de cette voiture-là. Tu prends les 5 millions plus le coût de la voiture. Ça va te faire entre 25 et 30 millions. Toi, tu dis, je ne veux pas conduire. J'ai déjà mon petit terrain là-bas. Je veux aller planter mes patates. Ça, c'est l'entrepreneuriat aussi. Au lieu de me donner une grosse voiture, je vais choisir deux petites Datsun, je ne sais pas, pour faire le TM et l'autre pour me faire le taxi. Ça, c'est l'entrepreneuriat aussi. Oui, mais ça, donc, ça n'a pas de toi sur ta tête et que je n'arrive pas à nourrir ta famille. Moi, je disais que ces jeunes Gabonais qui parlent de l'entrepreneuriat, à qui ils proposent l'entrepreneuriat, je veux bien qu'on propose l'entrepreneuriat. Même en France, on parle de l'entrepreneuriat. Mais en France, on t'explique, on te forme, on te montre comment monter un business plan, on t'accompagne jusque chez le banquier, tu défends ton projet, la banque te prête l'argent, tu démarres ton activité, il y a un comptable qui te dit « Ah, attention, il faut que tu payes ça, il faut que tu payes ça, il faut que tu payes ça, il faut que tu payes ça. » Tout ça, sur ton compte bancaire, c'est prélevé. C'est vu et c'est connu. Mm-hmm. Au Gabon, tu fais ça comment? Ben, je l'avais dit dans une émission, je pense avec toi dans notre contribution pour ce fameux dialogue où je disais par exemple, le Guoïvindo, la plus grande province du Gabon, n'a aucune banque. N'a aucune banque. Bon, mon ami, est-ce que tu sais combien de Gabonais nous avons perdu parce qu'ils font des tontines là-bas? Ça veut dire que là, c'est la fin du mois. Il y a au moins un enseignant qui est parti avec 8 cartes bancaires ou 10 et les militaires aussi. Donc, soit ils vont vers le Wellington, à Oyem, ou ils vont vers l'estuaire, où il y a eu des accidents ou les braquages. Le gars, il retourne bredouille. Donc, il met 10 familles dans la galère pendant un mois parce qu'on a braqué au PK8. Donc, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat. J'ai entendu
mon cher neveu, comment il s'appelle, comment il s'appelle encore, Mba, qui était là ici en France avec nous à Sarcelles, là, qui est devenu ministre de je ne sais pas quoi là. Charles Mba, qui a parlé de bancariser les Gabonais. Mon ami, j'avais pris l'exemple ici, la dame qui fait le malambantin, tu vas lui demander de prendre ses 5 000, aller déposer ça à Makoku. Pour aller à Makoku, je pense que c'est entre 5 000 et Makoku, c'est maintenant 4 000 francs. Aller-retour, 8 000. Donc, elle va aller déposer quoi et où? Sans compter que... On ne sait même pas combien nous sommes au Gabon. Elle a payé les agios dessus, les frais de tenue bancaire. Tout ça, là, elle fait mais à payer d'abord les agios. Mais il y a quelle banque, mon frère? Il y a quelle banque? Donc, ceux qui parlent de l'entrepreneuriat, il y a, voilà, par exemple, celle qui fait le malamba, le mongoro, comme dans un village, elle a entrepris ça. Elle sait qu'elle doit faire son vin de maïs, tous les 3 trimestres, le vin de maïs va machin, le malamba. Et il faut 3 ou 4 semaines pour que ça soit parfait pour les consommateurs. Une fois de plus, voilà comment moi je vois les choses. Je dis, hein, si elle cultive le maïs, pourquoi son maïs n'est pas racheté, transformé en farine? Et puis, on commence à fabriquer la farine de maïs. Ce qu'on appelle communément maïzena dans nos maisons, dans le cuisine de nos femmes. Ils ont la maïzena dans la cuisine de nos femmes. Là, c'est la maïzena. C'est la farine de maïs. Oui. Pourquoi on ne produit pas la farine de maïs directement sur place au Gabon? Quand elle sait que personne ne viendra acheter la farine de maïs chez elle, mais toi et moi, nous irons trouver en tant qu'elle est dans mon village, on va acheter le vin de maïs ou le vin de palme. Pour elle, c'est rentable. Donc, si le gouvernement accompagne en disant, madame, par exemple, votre vin de maïs, là, on peut le mettre, on peut fabriquer les bouteilles, vous vous associez à un gars qui lui amène les contenants. Donc, il va exposer ça, tu vends ton truc, ça va redevenir plus cher, et puis, c'est rentable pour toi. Mais quand on parle de l'entrepreneuriat, de quoi? Il a appelé ça comment? Entrepreneur de subsistance. Mais ça c'est insulter les Gabonais. Le Gabonais fait déjà l'entrepreneuriat de subsistance, puisque à l'heure où je te parle là, tu sais combien de centaines de Gabonais sont dans la forêt pour faire la chasse de nuit? Il entreprend une chasse. Il entreprend d'aller à la chasse. Voilà. C'est ça le problème au Gabon. Et ceux qui sont à côté du président ne disent pas la vérité, c'est malheureusement ça. Et ils viennent nous entretenir au quartier avec un langage méprisant, pour le dire, méprisant, en fait, l'entrepreneuriat de subsistance. Dans un pays comme le Gabon, où la terre est riche, la terre est fertile, planter le maïs, c'est 3 mois, hein, 3 à 4 mois le maïs, je crois, 3 à 4 mois le maïs. Tu récupères le maïs, tu plantes les feuilles, comme je disais, tu plantes la patate douce. Des fois, même tu n'as pas besoin de planter la patate douce. C'est comme en France. Il y a des myrtilles que tu... Tu crois que c'est des myrtilles? Les myrtilles, ça pousse. En Bretagne, ça pousse devant les maisons, n'importe comment. Les myrtilles sont énormes. Mm-hmm. La patate douce, c'est pareil. J'ai dit au Gabon que regardez combien coûte le kilo de patate douce ici en France. 1 kilo de patate douce transformée en farine. On te dit pure farine bio de patates douces. Vous savez combien ça coûte ici? Vous savez combien ça coûte ici en France? Ceux qui poussent derrière vos maisons à Libreville. Vous savez combien coûte un pongo de canne à sucre ici en France? Mm-hmm. Non, je vous dis que je suis allé dans un magasin qui s'appelle, qui est sur Boulevard Haussmann. C'est un magasin chinois. On te vend 2 pongos. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, le pongo de canne à sucre, c'est le bout du milieu. C'est un pongo, c'est les attaches. Une attache à une attache, ça fait un pongo. Une autre attache, ça fait 2 pongos. Donc, les 2 pongos là, il faut compter entre 7 et 8 euros. C'est du pur sucre. Les gars, ils ont épluché, ils ont pressé ça à la machine. Tac, le jus qui sort là, ils chauffent ça un peu, un peu, ça devient caramel. Caramel là, ils mettent la feuille. Du sulfure, il laisse refroidir. Quand c'est fini, il reprend le même document, le même truc, il met dans le mixeur. Ça devient poudre. Ça devient la poudre. La poudre, là, il met dans le jeu. Oui. Tous les matins, il prend 1 cuillère
à café, il prend son sucre, il met dans sa bouteille d'eau, dans son café, il boit ça. Il dit que ça, c'est du sucre bio. C'est pas industriel, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Il a pris trois pongos de canne à sucre. Au Gabon, la canne à sucre pousse derrière nos maisons. Mais on se plaint qu'on n'a pas la canne à sucre. On n'a pas le sucre dans les maisons parce qu'on ne sait pas comment faire le sucre. Voilà. Aussi simple. Donc, tu vois, quand on vient. Bon, c'est là où. Après, moi, j'attendais la fin de l'ordre. Non, mais. Là. Attends, tous, c'est pas que je ne parle pas pour l'instant. J'attends nous tous. Aujourd'hui, j'ai pris un live pour demander Landry qu'il aille rendre la voiture de la mairie de Njolé. L'entrepreneuriat de subsistance, c'est un mot qui ne doit pas exister chez l'Africain surtout. Parce qu'on a toujours entrepris pour subsister. Ça veut dire que les femmes allaient à la pêche pour subsister. Les femmes font des plantations. Nous, les hommes, on abat les arbres, on défriche avec les femmes et tout ça. Elles plantent et tout. Et c'est saison par saison. La femme sait que là, je dois aller dans tel ruisseau, mettre les bois pour que le poisson soit attiré. Et à un moment donné de la saison, je vais à la pêche avec mes fils. C'est l'entrepreneuriat de subsistance. Donc, elle est partie mettre ces bois-là pour que le poisson arrive. Nous, les hommes, on va faire les pièges. C'est l'entrepreneuriat. J'entreprends de faire les pièges. Excuse-moi, Hugues, tu te rappelles les nasses qu'on avait au village, là? Les nasses, oui? Tissées avec les lianes où le poisson rentre, mais le poisson ne sort pas. Oui? Est-ce qu'ils savent pourquoi on avait fait ça? Est-ce que les jeunes savent à quoi servait cette nasse-là? Mais il faut demander. Je les appelle souvent les sachants. Il faut demander aux sachants. Cette nasse-là, on l'avait faite parce que c'était une nasse qui pouvait conserver le poisson dans l'eau. Exactement. Il avait tout. Il avait à manger dans le piège de la nasse. Il avait à manger dedans. Il pouvait rentrer. Il restait dedans. Il mangeait, il dormait, il mangeait, il dormait. Jusqu'à ce que le propriétaire de la nasse vienne soulever la nasse. Ça peut amener le poisson. 3, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, la nasse joue dans l'eau. Le poisson ne meurt pas. Il est pris au piège, mais il ne meurt pas. Le jour où elle veut manger le poisson, elle prend sa nasse, elle sort ça de l'eau, elle a 1, 2 poissons, 3 poissons, bon, 3, il y a 4 poissons, il y a 2 poissons qui vont suffire pour la famille aujourd'hui et demain. Je sors 2 poissons. Elle remet les 2 poissons qui restent dans la nasse. Dans la nasse, elle a justement la bouffe. Elle remet dans l'eau. Voilà. En fait, on ne se rend même pas compte que c'est compliqué. Le poisson ne meurt pas. Il a resté un mois, il est dans l'eau. Il ne meurt pas. Tu sais, il y en a qui, bon, les histoires comme les bas cravates là et tout ça, ça fait aussi aller dans le dictionnaire, parler le gros français entrepreneuriat de subsistance. Mais ça n'a aucun sens chez l'Africain. Je le répète à tous ceux qui sont connectés à ton live. On l'a toujours fait. Nos parents l'ont toujours fait. L'entrepreneuriat de subsistance, même ça, on entreprenait. Ça aussi, c'est l'entrepreneuriat. On savait que si ma femme meurt dans le village, c'est Minko qui sait faire le cercueil. Mais le gars qui sait bien faire les tombes, c'est elle. Donc, il a fait ça, n'est-ce pas? Donc, c'était une entreprise. Toi, tu fais le cercueil. Moi, je vais le nettoyer parce que le temps que les parents de ma femme arrivent de Libreville, il y en a dans toutes mes sorties, dans toute l'ouverture, je veux dire, les oreilles, la bouche, excusez-moi, la partie du bas ouverte, on pilait le tabac pour conserver le corps. Donc, ils entreprenaient ça. Ils n'étaient pas à l'université pour faire ça. Donc, dire que l'entrepreneuriat de subsistance en 2024, mais on connaît ça déjà. Toi-même là, tu as l'entrepreneuriat de subsistance, moi aussi. Ce soir-là, quand je suis rentré, j'aime préparer, je n'ai pas fait de grosses cuisines. J'ai juste découpé l'oignon pour ajouter au cassoulet. Donc, j'ai entrepris ce soir pour ma subsistance de faire le cassoulet, couper l'oignon et mettre un peu d'huile et tourner et manger. Qu'est-ce qu'on appelle l'entrepreneur de subsistance? C'est quoi, c'est ça? C'est ça là, le Gabon. Donc, chacun veut maintenir les autres en captivité, les autres veulent maintenir les autres dans le désordre, enfin, maintenir les Gabonais la main tendue, il faut le dire. Le seul moyen de maintenir le peuple, c'est de maintenir la main tendue. Et tant que la main est tendue, ils sont au-dessus. Parce que c'est toi qui donnes. Je dis, AMB de Werembia, excusez-moi si j'écorche votre nom, exactement ça. C'était l'échange de connaissances.
Et c'est cet échange de connaissances qui nous fait survivre aujourd'hui. Moi, par exemple, là où je travaille, on appelle ça le pluriprofessionnel. On a les psychologues, on a les médecins, on a les secrétaires médical. On a ceci, cela. Ça fait une équipe pour ouvrir un IME là où je suis. Donc, trouver les mots, ça devient là. À chaque fois, les Gabonais créent souvent les nouveaux mots. C'est maintenant l'entrepreneuriat aujourd'hui depuis bientôt 2 ans là. Bon, avec Babesou, c'était l'heure, c'est l'heure, le temps, machin, je ne sais pas quoi. Après, on a dit qu'on allait jusqu'au bout. Là, ils sont en train d'enlever ça pour dire oui, l'effort vers la félicité. Bon, l'effort vers la, bon, après, on veut me parler d'entrepreneuriat de subsistance. Est-ce qu'on peut taper dans le dictionnaire, toi qui es devant ton ordinateur, c'est quoi la subsistance? La survie, la survie. On parle de reconstruire un nouveau Gabon, on parle encore de la subsistance des Gabonais. Donc, en fait donc, les Gabonais sont près de 14 ans de misère. Et puis, là, on vient leur dire, 8 mois après, que faites l'entrepreneur de subsistance. La différence est... Faites tout pour survivre. Ne vivez pas, faites tout pour survivre, parce que vous ne devez pas vivre, vous devez survivre. C'est ça que ça signifie. Et c'est dommage. C'est que comme ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Après, quand moi, je ne travaille pas demain, je vais allumer pour moi, là, même s'ils ont relu les vues, là. Mais il paraît qu'il y a quelqu'un là-bas qui nous bloque les pages à Libreville. Non, ça aussi, je n'aime pas ça. On a dit que sur le dialogue, le Gabon est ouvert. Ah. Ce qu'ils faisaient aux autres là-bas. Hein, celui qui a dit que Olivier était méchant, vilain, machin, là. Il paraît qu'il nous bloque les pages là-bas. Il nous bloque les pages à Libreville. C'est Jonas, j'ai vu Jonas dire ça hier. Que, oh, on a donné le nom de Stéphane Zen qui bloque sa page. J'ai dit, il bloque sa page. Donc, si vous voulez me voir basculer sur YouTube, passer sur Facebook, il bloque ma page. J'ai dit, Jonas. Bon, il dit, je cite ton nom. Ah, j'ai dit, bon, écoute, tu cites le nom de la personne qui, tu sais. Oh, mes amis, j'en m'en dis. J'ai dit, OK, on a entendu. Donc, si tu vois qu'on a mis beaucoup de vues là, c'est toi qui bloque ta page. Moi, si bloque ma page, non. J'ai dit, c'est un problème. C'est un problème. Moi, je dis la vérité même à 2 personnes qui vont partager. Moi, je vais toujours dire. On va partager. L'André est déjà au courant que j'ai critiqué ici, là, qu'il a volé la voiture de la mairie de Njolé. Il est déjà au courant. Les petits lui ont déjà fait de grand. Il est au courant parce que, après le live, là, moi, je vais appeler l'André. Qu'est-ce qu'il a volé la voiture? La voiture était garée à la mairie, il est parti voler les clés. Les voitures ont été affectées à la mairie de Njolé. D'accord? Les petits m'ont appelé qu'il a gardé une voiture. J'ai dit pourquoi? Il dit comme celui qui a fait nommer le maire de Njolé. C'est lui qui est parti négocier la nomination du maire de Njolé chez Olidi. Il garde une voiture. Il roule une 100 yon grise, 100 plaques d'immatriculation à Libreville. C'est la voiture de la mairie de Njolé. J'ai dit, est-ce que c'est vrai qu'il a roulé une voiture? Pourquoi il garde la voiture de la mairie de Njolé? Il ne travaille pas à la mairie. Si c'est avéré, lui qui a vécu dans les pays où il y a la loi, le droit et tout, comme il le dit, il a une double nationalité, est-ce qu'il peut conduire une voiture aux États-Unis sans plaque d'immatriculation? Sans carte grise. Deux fois, il demandait. Oh, la personne qui m'a appelé, ce n'est pas un petit, c'est un grand. Il m'a appelé. La personne qui m'a appelé, c'est un grand. Ah. Moi, je suis au Gabon. Je suis en France. Le petit me dit grand. Telle, la plaque. Je n'ai pas de plaque, c'est une voiture grise. Est-ce qu'il ne roule pas une voiture grise à Libreville? Sans plaque. C'est facile à découvrir. Bon, je vais le scanner, puis je vais quand même l'appeler moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Il roule une voiture qui appartient à la mairie. De Jolé. Non, oh, mais oui, mais peut-être que le maire l'a dit. Non, il ne peut pas accepter ça parce qu'on a critiqué ça quand il s'agit des autres. On ne doit pas donner les voitures aux gens. Les voitures, c'est pour la municipalité. Oui. Pourquoi on dit ça aux gens? C'est pour la municipalité. Non, c'est pour l'entrepreneur de subsistance. Non, faut pas rire. Hein? On ne peut pas dire qu'on a combattu ce système-là pour les mêmes, le népotisme, le clientélisme et tout le reste, et vous, on continue encore les mêmes choses. Ça sert donc à quoi? Ça veut dire que je te fais nommer et tous tes biens, on les partage, même peut-être que le salaire aussi. Mais c'est quoi, c'est ça? Bon, après, on va dire qu'on n'aime pas les autres. Jo,
À ce niveau-là, Igmefan, à ce niveau-là, je peux te dire la vérité. Hein. Si on marche dans la même assiette et que tu fais les choses comme les autres qui étaient là avant, je te trahis. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on trahisse les autres qui étaient là avant. Et comme maintenant, moi, j'ai fait les mauvaises choses, tu ne me trahis pas. Tu veux me trahir. Que Franck a fait ça, Franck a pris l'argent ici, Franck a fait ça, voilà. S'il n'est pas content, il vient dire qu'il faut que je suis un menteur. On va les trahir chez qui? On va les trahir chez les Gabonais. Chez les Gabonais. Quand on trahissait Ali Bongo et les autres, on trahissait chez qui? Chez les Gabonais. Ben voilà, on continue. On a critiqué Bla. Bla est venu, on l'a critiqué, non? Ouais. Quand Bla est parti, qui est venu? La Young Team. On les a critiqués, non? Bla, c'est qui? La cruche de Nazareth. Sargent. Ah, le gars qui lisait la Bible, il disait qu'il était dans un cachot, qu'il n'avait pas de lumière, mais il lisait la Bible. Il faisait comment? Vous qui êtes spirituel. Il avait les yeux. Il faut demander à M. Victor. Non. Frère, ok. Ça me dépasse. Je dis non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. On ne peut pas toujours couvrir les uns, les autres, et puis accuser les autres. Non, c'est pas bon. Et surtout, nous qui avons fait des lives, là, nous devons être exemplaires. Même pas si tu as fait un live sur un ancien Alium Team, tu dois pouvoir faire un live sur un ancien combattant qui a changé de comportement. Il n'y a pas de raison qu'on laisse les autres tranquilles. Non! Si on fait ça... Mais c'est quoi? On n'aime pas les problèmes, mais c'est la vérité que nous disons. Voilà, bon. Franck, la vérité qui est là. Je suis sur ton live. Qui ne me parlait pratiquement pas parce qu'il me dit tu fais trop sur ton frère. Mais je lui disais les vérités. Donc, si nous avons dit des mots choquants lorsque il y a eu machin, vous venez vous accaparer. Ah bon, il pense, hein, parce que moi j'ai d'autres chemins. Oligui, s'il veut se faire mal, il se fera mal avec. Il doit d'abord regarder, mais avec qui je travaille là, c'est qui ces gens-là? Parce que moi, j'ai quand même des histoires bizarres. Hein. Comme maintenant, beaucoup de gens aiment dire ça. Moi aussi, je vais commencer à dire ça. Lorsque, par exemple, tu détournes une caisse d'une société forestière, tu fuis avec ça. Mais les Gabonais que tu as laissés là, sans salaire là, tu n'avais pas pitié de... Bref. Non. Mais ça, on ne doit pas parler parce que c'est ça changé. C'est le nouveau Gabon, il ne faut pas qu'on parle. Non. Si on a critiqué les autres, on doit aussi critiquer ceux qui font les mêmes choses que les autres. N'est-ce pas? Moi, je vais revenir, j'attendais la fin du dialogue. Bissigui, là, tu vas me voir, toi-même, tu vas me dire que non, Sylvain. Tu te rappelles que je faisais 4 lives par jour. Je vais maintenant venir à 7 par jour. Non, tu fais autant de lives que tu veux. Tant que il faut qu'ils comprennent que nous, on est un peu plus exigeants. On veut que les choses avancent autrement. Si c'est bien, on dit c'est bien. Si c'est pas bien, on dit c'est pas bien. C'est tout. Mais les gens font comme ils veulent. Bon, maintenant, comme on m'appelle beaucoup là, partout, moi je voulais aussi dire à mon petit frère, il paraît que c'est mon petit frère Oligui, toi aussi tu ne peux pas te marier sans nous partager le champagne. Un petit grand ne se marie pas en cachette. Oh. Comment ça? Mais il a épousé Anouchka le week-end dernier, il n'y a même pas le champagne. À l'époque, Omar devait dire que l'ambassade était gratos, on allait boire là-bas. Comment ça? Est-ce que vous avez vu les photos? Mais attends, mon ami, le Gabon est un pays de fer ou en verre, comme tu vois. Ah. Mais donc, il a hésité à être au mariage? Non, Zita était ici. Elle est rentrée pour la cérémonie là hier. Elle a dit que tu restes à faire tes choses là-dedans. Elle était à Lyon là, Zita. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok, très bien. Ok. Ah, donc le petit, il est en mode nuit de noces et tout, lune de miel. Oh, mais pour calmer Zita, elle a dit, bon, toi tu viens pour la conclusion du dialogue aujourd'hui, mais l'autre, bon, elle a déjà la bague, elle était fatiguée des groupes du week-end, donc elle est là-bas. D'accord, ok. Non, le maire s'est déplacé. Je peux même te donner le nom du maire, mon ami. On se connaît au Gabon. En vérité, je te le dis, ils se sont mariés à glace là. Oh. Ah.
Ok, écoutez, félicitations à lui. Qu'est-ce que tu le sais, puis tu fais semblant de dire qui est machin là. Faut me quitte là. Ah, moi je ne sais pas. Non, le français s'est marié. Donc, oh. Il a deux premières dames. Ah, ça, bon, c'est là aussi maintenant le sujet. Bon, quand on a deux femmes, est-ce qu'on appelle ça deux premières dames? Parce qu'il ne peut pas avoir deux. Bon, comme on dit aussi que y a des presque majors, bon, donc il y a aussi des presque premières dames. Aïe, en tout cas, ok. D'accord. Écoute. Bon, en tout cas, tout ce qui se passe là, moi je te le dis en vérité, moi j'ai toujours été pour les premières de mes frères. Il n'y a pas de haut, les femmes, machin, l'autre, les femmes. Moi, c'est Zita que je vais souvent appeler, enfin, jusqu'à la fin de la transition, madame le président de la transition. Mais attends, mais Tom, tu sais, Tom, tu as dit ça ici déjà sur la live, sur mes lives. Tu as dit que chez les femmes, si tu as épousé une femme bilobe et que tu as épousé une fille femme, les femmes considèrent que tu n'es pas marié. Ça, c'est les femmes du Wellington. Je te l'ai dit. Il est d'où? Qui? Mais, Biscotter, il est de quelle province? Ah non, ne faisons pas semblant. Bruce Clotaire, Bruce Clotaire Olivier du Haut-Ogooué est père du Wellington. Tant qu'on n'avait pas épousé sa mère, nous sommes des... Attends, Bisigui, c'est l'enfant du village, comme on dit. Chez les femmes, pourquoi les femmes réclament d'être l'enfant du village et pour d'autres, c'est maintenant le sang? Il y en a un qui fait la larve généalogique de ses grands-parents du côté de sa mère parce que c'est l'enfant du village, le père ne l'a pas reconnu. Pourquoi? J'ai seulement posé la question. Ça, c'est qui encore? Brice, c'est Mara Logo. Un gars du Koto Bissok. Voilà. Mona Yadze, justement, je vais revenir sur ça, c'est notre tradition. Tu as vu comment, justement, le fang est aigri. Parce que lorsque, par exemple, il y a un là qui dit des lives, il fait le lab généalogique du côté de sa mère parce qu'il ne connaît pas son père. Il dit que je suis l'enfant du village, j'ai été élevé par mon grand-père et ma grand-mère parce que son père n'a pas épousé sa mère. Pourquoi maintenant chez Oligui, on veut s'accaparer de lui que c'est un fang? Non! Ce n'est pas renier Oligui. C'est comme mes enfants. Je n'ai pas épousé leur mère. Et lors des mariages et tout ça, les présentations, je dis souvent à leur mère, non, amène tes oncles et puis je vais envoyer l'un de mes petits frères s'asseoir comme témoin parce que l'enfant ne nous appartient pas. Nous sommes clairs là-dessus. Ah, grand Hugues, on est clair là-dessus, mais ce que nous voyons, c'est le contraire. Il faut qu'on se dise des vérités. Mais justement, ce contraire-là ne me plaît pas parce que là, on est en train de tricher. On ne triche pas avec On touche à la tradition. Est-ce que c'est bien comme ça? Mais vous avez oublié que quand il est parti au nord, c'est lui qui a amené l'affaire du gibier, non? Vous avez oublié l'affaire du gibier? Non, c'est pas la question. Mais on n'a pas oublié. Maintenant, mon frère, Brice. Oui, grand. Bon, tu vas écouter. Ok, quand un enfant parle, tu comprends? Oui. Quand un enfant parle, quand il parle de son père, il a dit le fils est l'oncle chez le enfant. Quand tu étais les parents de ton père, il n'y a pas d'oncle là-bas. Les oncles, c'est chez sa mère. C'est un gars, son oncle. Comment il s'appelle? Ondosa. Donc, comme il est du nord, Ondosa ne peut pas être son oncle. Ondosa, c'est son père. Chez le sang, les parents de ton père sont tes frères. Ce sont les frères de ta mère qui sont tes oncles. Donc, quand tu viens faire allusion à oncle, pour moi, le sang, tu t'adresses aux parents de ta mère. D'accord. Enfin, va demander ça à qui tu veux. C'est pourquoi chez les sang, je l'avais dit déjà la dernière fois, quand tu entends un enfant te dire « Swamungu », ça veut dire que c'est la sœur de son père. Quand tu entends « Mama Ungu », ça veut dire que c'est la sœur de sa mère. Nous sommes clairs. Quand tu entends « Papa me fasse », je suis le frère de ton père. Quand tu entends
D'abord, on ne dit même pas papa. Il appelle même par le prénom ou bien le nom. Au bocal, parce que c'est son nom. Mais ce que je vais ajouter, grand, c'est que effectivement, tu as raison, sauf que ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est le contraire. Vous parce que je vais dire quelque chose que, qui ne va pas vous étonner. Après, c'est pour une bonne cause pour moi. Je vais dire quelque chose qui ne va pas vous étonner, à toi, grand Franck et grand Hugues. C'est que pourquoi aujourd'hui on dit que c'est le, comment on appelle, ils font le contraire, dans le sens où aujourd'hui, ça, beaucoup de personnes le sait au Gabon. Maintenant, les décisions, ses voix sont prises par lui, mais les décisions sont prises aussi maintenant par son père, par les frères de son père, ainsi de suite. Les gens vont donner leur dossier à son père, aux frères de, à ses frères, ainsi de suite. Tu vois un peu? Oui. Tu vois, c'est, voilà, oui. Pourquoi, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu ce que le grand Franck disait. c'est le fils de son père. Non, moi je ne fais pas semblant. Ce qu'on appelle universellement les tuyaux, tu comprends? Oui. Les tuyaux existent depuis que le monde est monde. Oui. Mais moi j'ai toujours dit, pour le tuyau, mon cher petit frère, oui. Si j'ai un ami qui est dans un ministère, le ministère de la Santé, bon, ton fils, lui, il a fait dans l'agriculture. Mais tu vas me dire, grand me fan, il y a mon fils qui a fait des études. Tu as toi-même me fan, tu es au ministère de la Santé, mets mon fils là-bas. Je vais te demander, il a fait quoi? Il a fait l'agriculture, mais toi-même, tu me cherches des problèmes. Donc, si tu me pistonnes ton fils parce qu'il a fait des études en médecine alors que je suis ministre de la Santé, là, ça va. Les pistons existent de plus belle lurette. Tu comprends? Oui, oui. Bon, tu ne viendras pas me mettre un jour de tam-tam guitariste parce qu'il faut faire plaisir. Non, je ne veux pas rire. Non, je rigole. Pourquoi? Parce que ce système-là, c'est Bongo Père qui l'a instauré et ça continue. Voilà. Mais si on veut changer les choses, il faut que ça soit arrêté. Oui, mais malheureusement, on est tous dessus de voir que ça continue. Ça fait quoi? 6 mois maintenant qu'ils ont pris le pouvoir? 8 mois. Voilà, 8 mois. 8 mois, c'est la même chose. Je vais te prendre un exemple avec, je n'ai même pas besoin de dire, avec mon franc-parler. J'avais parlé ici lorsque Landry Amia Washington était chargé de recruter la diaspora. J'avais posé la question, est-ce que le ministère des Affaires étrangères n'a pas un délégué chargé? Parce qu'il a les deux ministères. Il y a le cabinet chargé des Gabonais de la diaspora, oui. Non? Donc, il n'a servi à rien lors de ces assises-là pour que lui contacte les Gabonais de l'étranger. Donc, Amia Washington, mon petit... Bon, je ne sais même pas qui est plus grand. Bon, ça aussi, c'est... Non, c'est notre petit frère. Bon, notre petit frère était au-dessus du ministre chargé des Gabonais de l'étranger, quand on a vu, n'est-ce pas? Oui, non, non, ce n'est pas que je ne dis pas qu'il ne doit pas être proche du président. Le président peut être à côté de lui avec des services... spéciaux. Ça veut dire que sans nomination, mais de là à dire que c'est lui qui, comme on a entendu les audios, c'est lui qui choisit, qui machin, qui oriente. Non. Ça, je n'étais pas d'accord. Mais je suis content qu'un frère soit à côté d'un responsable d'un pays. Donc, nous devons ajuster nos choses. Là où moi je te dis là, à mon âge, je suis venu à un âge avancé. J'ai accepté de repartir à l'école, étudier les leçons avec les petits-fils, les enfants, le bruit, les plusieurs femmes que j'ai dans ma vie pour obtenir mes diplômes. Mais aujourd'hui, tu vas me dire, Sylvain, je t'aime tellement que j'ai un truc dans la NASA là-bas, le responsable là-bas a besoin de quelqu'un. Tu vas m'envoyer là-bas, donc tu ne m'aimes pas. Je n'ai pas fait les études pour ça. Tu ne m'aimes pas. En fait, tu veux que je cogne le mur. Mais comme au Gabon, on veut seulement entendre monsieur tel. On accepte pour accepter. Moi, il y a
Même dans les réunions. Pourquoi il n'a pas simplement accepté un poste de conseiller du président de la République? Ça lui aurait valu la possibilité de renégocier. Mais c'est pourquoi j'ai dit, c'était à M. Oligui de savoir ajuster notre frère. Parce qu'il est au-dessus du ministre des Affaires étrangères, chargé des affaires des Gabonais vivant en étranger. Donc, quand vous êtes ministre, tu es même conseiller spécial du président de la République. Maintenant, tu dis que le conseiller vous appelle pour aller rencontrer le chef de l'État. Là encore, c'est plus intéressant, mais tu n'as aucun statut officiel. Ah, les grands, ça ne doit pas vous étonner. Aujourd'hui, il dit qu'il est grand conseiller puisqu'il a menacé le maire de Ndiolé. Attendez, il y a une dame, je suppose, parce que les noms Mungé, Fallon Mungé dit que quand un enfant nie maintenant son père pour citer l'arbre généalogique de sa mère. Non, Fallon Mungé, c'est pas nier. Justement, c'est ça aussi, c'est ce que nous devons faire comme, je veux dire, combat. Combat, c'est pas seulement plier les poings. C'est un combat dans nos mœurs et traditions. Ça veut dire qu'il ne nie pas parce que nous avons, j'ai vu ça dans mes villages, où par exemple, je vais te dire, excusez-moi, hein, je ne sais pas, je vais prendre votre exemple. Fallon Mungé, tu es mon ma fille. Maintenant, toi, tu fais un enfant, tu n'es pas allé en mariage. À l'époque, l'enfant là s'appelait, par exemple, on va dire Minko, Minko Mofan. Ou bien, si tu as un frère, il va s'appeler Minko Mondo. Parce que le père est inconnu, ce sont des bâtards. Ce n'est que les bâtards ou les enfants nés hors mariage, entre guillemets, bâtards. Ouais. Mais ça fait mal parce qu'on le dit comme ça. Mais c'est les enfants faits hors mariage de père inconnu. Mais grand. Toi-même, tu sais que chez nous, les enfants bâtards n'appartiennent pas au père. Exactement. Donc, c'est pourquoi je dis à Mungé que le garde, la personne qui fait l'arbre généalogique de sa mère ne renie pas son père. Son père n'est pas connu. Donc, il passe par sa mère, le frère de sa mère ou son grand-père. Il le fait dans l'arbre généalogique parce que, attention, il y a l'arbre généalogique et l'arbre qu'on appelle l'arbre des clans. Dans l'arbre des clans, on va décliner, par exemple, je vais te dire, en commençant par mon père, je suis l'enfant de toi, ma femme. Et toi, ma femme, avait eu sept enfants. Les sept enfants, il y avait un Téré, toi, Mungbamé, toi, ma femme, toi, Abéné, toi, Isabi, toi, Nzé, toi, Nzé, toi. Tu comprends? Ça, c'est l'arbre de descendant d'un clan. Mais l'arbre généalogique d'une personne, mes enfants ne vont jamais citer le nom de mon frère, de mes frères. Ils vont dire, mon enfant va dire, je m'appelle par exemple Minso. Minso, me fan, toi. Donc il ne tient pas compte de ses oncles, de ses autres pères. Non, mais un enfant qui fait l'arbre généalogique du côté de sa mère, c'est parce qu'il ne connaît pas son père. Tout à fait. C'est pourquoi j'avais proposé de faire une partie de terre pour ces enfants-là que les hommes sont venus faire et partir. Donc, nous, par exemple, on va dire que toi, on ne t'a pas fait connaître l'enfant parce que tu n'avais pas épousé. Ça, c'est un cas. Mais toi, si tu ne connais pas où habite ton père, où il est enterré, on va mettre un demi-terrain dans le Goïvindo. Encore, on peut diviser pour les gens qui ne connaissent pas leur père, on vous met là-bas. Donc, il ne renie pas, il ne connaît pas le père. Voilà. Je répondais à Mungé. Donc, pour revenir, sinon, grand, le dialogue est fini. Hein, donc, il faut, voilà, c'est terminé aujourd'hui. Non, c'est ce que je n'impose avec toi. Il faut terminer tes phrases. Il faut quoi? Voilà quoi, tu veux me voir mettre la... Non, je voulais dire au grand Franck par rapport à ce qu'il a eu à dire tout à l'heure, que les gens qui trompent le président. Moi, je ne suis pas, honnêtement, je ne suis pas d'accord avec cette parole, les gens qui trompent le président, parce que lui-même, il a été au renseignement, il connaît un bon nombre de choses. Et je pense bien que avant que tu ne nommes une personne, quel que soit le poste que la personne va occuper, avant qu'on ne nomme la personne, je pense bien, à moins que ça ne,
Ça m'étonnerait que ça ne se fasse pas, mais il y a ce qu'on appelle une enquête de moralité quand même. Donc, c'est pour dire que quand le grand Franck dit qu'il y a des gens qui trompent le président, moi, je ne suis pas d'accord. C'est lui-même qui nomme ces personnes. Il connaît qui ils sont. Il connaît Non, qu'est-ce Brice-Emma, qu'ils... Oui. Brice-Emma, Brice-Emma, Oui. de par nos relations, je peux te faire nommer. Oui. D'accord? Je Oui. réponds pour toi. Mais si tu pars chier là-bas, Mmh. le président me fait confiance, moi, mais il ne te connaît pas, toi. Ah, là, ça, c'est donc un autre problème, alors. Parce que Parce quand que... vous ne pouvez rien dire que il garde la voiture parce qu'il a fait nommer le maire de Djolé, c'est la prostitution. On appelle pas la prostitution, c'est on appelle ça autrement le prosélytisme politique. Ça veut dire que je te fais nommer ce que tu gagnes là-bas, pense à moi. Mais si dans ce cas, cette histoire est fondée, donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans ce cas, ce que le président, il n'a pas été trompé, il a mal vu, il a mal jugé les choses en le nommant ou en, je sais même pas s'il est nommé. Est-ce qu'il a été nommé? Non. Jusque-là, souffrez de me laisser dire que ça n'a rien à voir avec Oligui. Ça c'est des problèmes de Ndiolé. Ah, Oligui, d'accord. on a estimé que à Ndiolé, il faut par exemple cette voiture. Je ne sais pas de quel nombre de voitures on parle, mais d'après ce que Franck dit, l'autre est parti dire comme moi je t'ai fait nommer, j'ai droit à une voiture. Non. On a calculé par rapport au déplacement dans cette communauté-là qu'il fallait tel nombre de voitures. Donc, c'est lui qui fait la frappe. C'est les mêmes frappes qui ont rendu certains milliardaires à l'époque de Bongo. Ça veut dire que tu vas avoir le grand Omar. Il dit, ah, mais le petit là, il m'a bien, très bien parlé, il m'a raisonné. Bisiki, va donner un petit quelque chose, un petit milliard. Oui, on connaît la suite. Tu vois? Lui, il va prendre 2 milliards, il me donne un, il garde l'autre. Oui, tout Voilà. à fait. Ou alors, je te dis comme ça se faisait là, pendant le dialogue aussi, hein, avant le dialogue, où je te dis, bon, moi je peux mettre ton nom, mais ce qu'on va te donner, tu me donnes une petite part. C'est ce qu'on appelle le proxénétisme politique. Ah, Ah, d'accord. d'accord. D'où le fait qu'il a voulu voir beaucoup de comment on appelle des gens de la diaspora avant le dialogue. Bon, je n'ai pas dit ça. Ah, mais grand, on perce l'abcès, tu as commencé, terminons. Pardon. Mais si tu sais, il faudrait que nous ayons un plateau médicalisé pour que je fasse le Moi, pardon, quand vous allez chercher du Gabon, laissez-moi le Ghanéen dehors. Hein. Pardon, si vous connaissez quelqu'un au Ghana là, qui peut donner les papiers ghanéens, j'ai déjà 30 ans de Gabonais. Et puis le Gabon ne veut pas de moi Non, donner mais, les Ghanéens, pardon. non, Je mais vais aller vivre à Londres ou ailleurs. plus sérieusement, franchement, il faut que, je ne sais pas, mais il faut quand même que cette histoire s'arrête. C'est pas possible. C'est pas parce que c'est toi qui as fait nommer X qu'on envoie un truc pour la mairie que tu te sers comme ça. C'est pas possible, ça. Mais je vais te raconter quelque chose que j'ai vécu en France ici. Mon cher frère, peut-être Franck, lui, il est au courant parce qu'il a dû aussi aider les gens dans ce sens. Moi, j'ai aidé les gens ici où on me demandait, Sylvain, il y en a qui venaient prendre les photos au Trocadéro pour aller prouver aux préfectures que j'étais dans une manifestation. Et moi, signataire, en tant que signataire de certains, enfin, des mouvements du Trocadéro à Paris surtout. Donc, on me disait, non, Sylvain, il faut vraiment, j'ai déjà les photos, il faut témoigner que oui, j'étais là. Mais moi, je vois le frère, mon frère, je signe et j'envoie ma pièce d'identité, c'est dans les préfectures, hein, Oui, mon visage là. oui. Mais j'ai eu un cas, un gars que j'avais aidé via une femme, je l'aide. Le gars a eu ses papiers. Il fait venir sa femme et ses enfants. Alors, il était collègue à une nièce à moi, mais il ne le savait pas. Ma nièce lui dit, ma nièce travaille au Gabon. Elle ne voulait pas quitter le Gabon, elle voulait juste venir se balader. Maintenant, tu as les papiers, est-ce que tu peux me faire
comment vous appelez, un certificat d'hébergement. Oui. C'est ça, c'est le certificat d'hébergement. Le gars lui dit, si tu viens, d'abord, je te fais le certificat. Là où tu seras, on doit d'abord sortir ensemble parce que depuis le Gabon, tu me bouffes. Non. Oh, c'est pas possible. Mais ma nièce, puisqu'on parlait en famille au téléphone, je lui dis, quand on bavardait, mais tel c'est ton... tu me disais que tel c'est ton collègue. Oui, j'ai envoyé les papiers. Il m'a dit qu'il a eu les papiers. Quand elle m'a dit ça, mais j'ai eu froid au dos. Oh, c'est pas possible. Je me suis dit, si les préfectures pouvaient faire les renouvellements aussi pour dire, bon, en cas de remontant, on retourne. Il y en a qui venaient nous larguer au Trocadéro, là où nous sommes restés cinq là. Ils viennent avec les enfants. Oh non, c'est juste un coucou. Oh mon frère, c'est vous que tu appelles juste un coucou. D'abord. Oh, donc, et moi, j'ai appris dans ma vie que ne regrette jamais l'aide que tu as apportée aux gens, mais ils vont se faire mal seuls à un moment tout donné. Ils vont revenir pour nous. Parce que Ligui a lu Machiavel, tous ceux qui ont traversé là, qui ont soi-disant eu les papiers parce qu'ils étaient exilés politiques, c'est terminé. Parce que les autorités en France savent que tu es rentré au Gabon, donc c'est fini. Oui, parce qu'on te dit juste que le pouvoir que tu combats quitte le pouvoir. Donc, ils sont rentrés. Donc, on estime que tu n'as plus peur. Mais grand, c'est pas beaucoup. Disons, au niveau de la diaspora, ceux qui sont rentrés, beaucoup n'étaient pas des exilés. Hein? Beaucoup n'étaient pas des exilés au niveau de la diaspora. Nous, pour la majorité, ils sont partis là, ils étaient fichés. Donc, même quand tu es fiché, c'est déjà un problème. D'accord. Tu ne connais pas les choses du Gabon. Donc, il y en a qui sont passés par le Congo. Il y en a qui sont passés par le Cameroun pour rentrer au Gabon. Pour ne pas perdre leurs documents. Il y en a qui sont passés par le Gabon directement. Voilà. Tu comprends, non? Oui, je comprends. Voilà. Mais, comme le dialogue est fini là, le rassonné militaire a... il y en a qui n'ont pas encore leur passeport. Ils ont pris les tenants lieu de passeport, oui, beaucoup. Non? Beaucoup. Bon, il va falloir maintenant retourner. C'est là où Mburantsuaga ou Buratsuaga, là, il les attend au tournant. Parce que j'étais en live tout à l'heure, le live du dialogue du Mapan. Mais on est en train d'interpeller les gens. Le petit qu'on a enfermé pour avoir tenté de brûler le stade qui est dans la forêt Merlin. Équatoriale du Gabon. Là. Le stade de Yam. Ça veut dire que c'est comme si les djihadistes, tu enfermes un djihadiste et le commanditaire, tu l'as sous tes yeux, tu ne fais rien. Dites mes fans, depuis peut-être deux jours, c'est sur ma page. Crépin Dieke, tu as rendu l'argent de 50 000. Ils savent de ce qu'est 50 000, je parle. Puisque Dieke aussi, on avait arrêté pour les mêmes pour les 50 000. Pour les 50 000 qu'on avait envoyé pour aller brûler le siège du PDG à la marinée. Merlin est là, il est en prison depuis là, pourquoi? Mais Dieke a bien expliqué que vous-même, vous voyez 50 000 au Gabon, ça veut dire que moi, Dieke, comme je fais des lames là, je suis connu. Je devais d'abord prendre... Non, lui aussi, il était affecté pour aller au même stade. Moi, je connais les détails. Ah. Mais les commanditaires sont au Gabon, ils sont tranquilles. Hein. Donc, les gars qui ont envoyé, et dans l'émission où j'étais tout à l'heure, chez Alain Gauthier, il y a un qui disait qu'ils ont les messages que Merlin a reçus de... par rapport à l'envoi de l'argent et tout, donc ils ont les noms qui sont au Gabon. C'est pourquoi j'ai dit aux gars là-bas, les gars, on a dit que nous sommes au dialogue des mapas, donnez-nous les noms. Moi, me fan, tu connais pas les noms. J'ai toujours dit, lorsque les gars du Gabon m'appellent, je dis, c'est vous qui êtes sur le terrain, vous faites selon les dangers que vous apercevez là-bas et la capacité de faire. Mais une fois que tu envoies, on va te trouver de dire, hein,
en dehors des décès, une fois que tu envoies un euro, tu as participé à une déstabilisation, mais les gars, ils ont envoyé l'argent. Mais on sait qui c'est. Mais j'ai demandé là-bas à citer les noms. On ne peut pas citer. Pourquoi? Mais c'est pourquoi pour toi. Il ne peut pas citer. Comme Oligingema, mon petit frère là, le petit frère de Bob et moi, il a lu Machiavel. Et ma papa va lire à partir de la 14e page de Machiavel, tu vas commencer à avoir peur de toi-même. Je crois qu'il y a des trucs qui vont se passer. Mais celui qui est à la police et à la frontière là, attendez, là je ne parle pas fort. Mais les grands, ça ne doit pas vous étonner parce que je suis obligé de revenir jusqu'alors les commanditaires des crimes rituels de France et Ville, ils sont où? Quand j'avais parlé de ça, on m'a dit que je n'aime pas Oligui. Pardon, c'est à moi que tu demandes. Non, c'est pour dire qu'on sait tous qu'au Gabon, les commanditaires du massacre de France et Ville, moi je ne le connais pas. Tu vas même, France et Ville, c'est hier là. Les faux usages de faux. C'est pas la cruche de Nazareth qui est dehors là. Pardon, c'est pas devenu. Il se bat là. Et faux usage de faux. Et il est sorti grand Franck, grand Franck, c'est la cruche de Nazareth. Il est parti en France, il est revenu avec quel passeport? Quel visa? C'est pas la cruche de Nazareth qu'on a sorti de prison là. Le patron de faux usage de faux, imitation de signature et tout ça. Ils vont venir vous dire qu'ils ont sorti la cruche de Nazareth parce que je pense qu'il a donné ou livré Sylvia. Je pense que c'est la version qu'ils vont vous donner. Bon, moi, par rapport au contrairement aux autres, moi, me fanais, toi, contrairement aux autres, là où les autres, je ne cite pas les noms, on va dire que je n'aime pas les gens, étaient là-bas avec la fille, c'était pour lui demander où tu enterrais l'argent ici, sors ça, avant de mourir. C'est tout. Je suis d'accord avec toi. Ah, donc ça confirme l'information que j'ai eue aujourd'hui. La plupart qu'on fait sortir en fait, c'est parce que ils décident de donner l'argent. Ils sont allés enterrer, il a trois tombes. Il y a même une tombe à côté de là où il est là. Va bien voir. C'est là où il y a l'argent. Mettons. Oh, pardon, on n'est pas pour donner les docs ici, c'est bon. C'est bon, je me tais. On ne dit pas tout. Non, tu te tais, c'est nous qui devons parler. On ne dit pas tout, pas. je m'arrête là, c'est pas. Bon. Le live, c'est demain soir. Bon. Le live, c'est demain soir, oui. Bon. Est-ce que tu peux quand même avoir le courage de répondre à une question qui me tourne au cerveau là? Moi, je réponds cash. Je ne suis pas là. On reconstruit le Gabon, on répond cash. Est-ce que c'est négociable? Est-ce que toi, tu es mon petit frère? Non, j'ai dit à ton petit frère, comme on est au dialogue là, on est en construisant du nouveau Gabon, on répond cash, on t'écoute, petit frère. Bon, mon petit frère. On a dit que tous les membres du PDG, les anciens membres et tout ça, le parti est dessous, donc les anciens membres, personne ne doit se présenter à une élection pendant les 3 ans à venir. question, c'est une question. Elle n'est pas saugrenue, ma femme, toi, se pose des questions. Est-ce que Oligui n'était pas au PDG quand il était le camp d'arrivée de Bumbula? Mais je peux te reprendre. Je pose des questions. Est-ce qu'il a démissionné en ce temps? Vous avez dit la démission du PDG d'Oligui. Donc, de facto, il est éliminé de toute élection pendant 3 ans. Bah. Mais tu as oublié d'ajouter quelque chose, le grand. Même si de facto il est éliminé, je crois que dans les conclusions du dialogue, je crus entendre, j'ai pas encore vu le comment on appelle, j'ai pas encore eu le papier, que comme quoi
Oui, c'est Comme quoi, on va renforcer les pouvoirs du président, non? Attends, mais le président, c'est celui qui sera élu, oui, pas lui. J'ai envie d'avoir une logique un peu constructive, mais oui. Une question qui est suffisamment claire. Oui. Moi, la question que je veux te poser, la logique que moi j'entretiens est la suivante. Oui. La date du décret des annulations, c'est pour quand? Après le dialogue, après le 2025 ou avant? Que les PDG doivent avoir ses présences de session, c'est quand? C'est avant ou après? Mais je crois que normalement, ça doit prendre effet là, c'est après le dialogue normalement. Comment ça? Donc, le référendum, avec combien de temps au Gabon? Le référendum arrive quand? Ben, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Donc, combien d'habitants, les 4 millions d'habitants qu'Ali et la cruche avaient laissé là ici? On n'est pas 4 millions d'habitants. On n'est pas 4 millions d'habitants. Ah, mais aux dernières listes, attends, c'est à moi que tu réponds ou bien depuis que je demande ça? Je réponds aux Gabonais et je dis ceci. Ça, c'était l'affaire des élections pour gonfler leurs histoires. On n'est pas 4 millions d'habitants au Gabon. Pour moi, quoi, Makaya, me fermez toi. Non, je ne m'appelle pas Makaya, je m'appelle Mokaneto. Non, frère, c'est compliqué. La cruche, bon, on m'a dit qu'il y a souvent des substances aussi au Gabon où tu maigris pour te purifier, après tu vas grossir. Oh, le grand terme au cœur. Toi-même, tu sais qu'il est comme ça parce qu'il a subi. Il a subi. Oh. Mais on m'a dit que... Attends, on nous a fait comprendre qu'il était dans une cellule là où c'était noir. Même chez moi, là, il y a un peu de lumière, comme vous voyez, non? Mais il lisait la Bible là. Il lisait la Bible là comment? Elle était lumineuse. C'est une Bible fluo. Hein? Ça, c'est clair, non? Mais voilà pourquoi. Regarde un peu ça. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien ça? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, moi, cash, en ce qui me concerne, ça ne m'étonne pas. Venant du pays, donc, ils ont moi, ça ne m'étonne pas. D'Ali et ils ont collé l'Assemblée nationale du travail 2024. Moi, quoi, ma femme et toi? Pourquoi vous faites ça? Non, moi, ça me cash, moi, ça ne m'étonne pas, venant du pays. Non, donc, quand on vérifie bien... Quand on vérifie bien, on va dire qu'on n'aime pas les gens. Alors que c'est la logique, quand on te demande la couleur du Gabon, sauf si on fait comme l'arc-en-ciel faisait ça ici, mettait ça à l'envers à volonté, mais c'est du vert jaune-bleu. Donc, fait. Si toi tu dis autre couleur, c'est que tu es hors sujet. Donc, moi je dis, on a tous vu des deux femmes, moi je vous donne mon point de vue et ma position. Les deux femmes d'oligarchie, bon, désormais officielles les deux, moi, je préfère Zita quand je vois les deux. Ah, pourquoi? Pourquoi tu préfères? Même si c'est l'autre qui a plus d'influence, moi, je vous informe aussi, même si c'est l'autre qui a... Je préfère Zita parce que elle a plus souffert que l'autre. D'accord, ça, c'est ton point de vue. Pardon, ça, c'est... Oui. Peut-être par rapport à mes renseignements en privé, elle a pu souffrir et je suis dans le social, je défends les plus faibles. D'accord. Et Dieu a sauvé. Gaël Leïla dit faire un référendum sans un nouveau recensement. Comment on fait ça? Mais justement, c'est ce que je demandais parce que j'étais exprès de poser la question. Le référendum, c'est pour quand et nous sommes combien? Mais les grands. Moi, je vais encore faire rentrer dans les questions qui fâchent. OK. Moi, je laisse d'abord le recensement. Je reviens sur le dialogue national. Quand on va déjà dans un dialogue national, où pour moi, j'estime que c'est un dialogue national, ça a été un dialogue de monologue, parce que toutes les personnes qui étaient là-bas, c'est des personnes qui ont été nommées. Oui. Et s'il faut parler de la diaspora, on sait comment ça s'est passé. Même si, bon, je veux le dire, on sait tous que beaucoup ont reçu leurs enveloppes. Non. Donc, tu veux dire qu'il a reçu l'enveloppe? Non, je parle de ceux qui sont partis, ceux qui ont assisté au dialogue.
Est-ce que Logan, il a assisté au dialogue? On a appelé Hugues en inbox. On a appelé directement son téléphone que oui, tu veux venir au dialogue. Oui, je parle de ceux qui ont assisté, qui sont allés sur place. Non, Bissigui, je t'arrête tout de suite. Et je m'explique parce que la personne qui m'a appelé t'a appelé après avoir appelé une autre personne qui est au dialogue. Il faut arrêter ça avec comment ça? Mais est-ce qu'on t'a proposé? Attends, je demande si on t'a proposé le pognon. Non, on ne m'a pas proposé. On ne m'a pas demandé, Hugues, Sylvain, ma femme, toi, veux-tu venir au dialogue? On m'a demandé, dans ton groupe-là, les gens qui sont restés au Trocadéro debout-là, est-ce que tu peux, vous pouvez nous donner quatre noms? Comme ça, on va garder deux noms. Je suis allé consulter les autres. Ils ont dit, il n'y a pas le panel vérité, justice et tout. Donc, personne ne bouge. C'est pourquoi tu ne verras aucun, mais aucun du Trocadéro là-bas. Donc, après, on a appelé une personne qui, bien évidemment, au dialogue, j'ai dit, c'est mérité pour cette personne-là. Après, on t'a appelé. Laisse ça. Il faut arrêter. Donc, moi, on ne m'a pas appelé. Je n'ai pas dit comment on m'a appelé. On ne m'a pas appelé individuellement. On m'a appelé pour, dans mon groupe, de choisir le nom. Mais toi, on t'a appelé en tant que Bissigui. Moi, on m'a appelé en tant que l'un des, je veux dire, l'un des membres d'un groupe. Toi, on t'a appelé individuellement. Oui. Je ne refuse pas. Voilà. On m'a appelé individuellement. Il faut bien parler. Oh. Assister un problème. Moi, je constate seulement que tout ce qui a été fait, normalement, moi, je pensais que la priorité dans tout ce qui a été fait devait être les populations gabonaises. Mais quand je regarde les conclusions de ce dialogue-là, ah, bref. Bon, maintenant, allons-y aux conclusions de ce dialogue. Je n'ai pas tout entendu. Bon, la dame qui est venue parler même des conclusions-là, elle-même, elle devait s'effacer, ce n'était pas à elle de parler de ça parce qu'elle a une peau qui dit qu'elle n'est pas gabonaise 100%. Quand on parle des histoires du Gabon, elle ne doit pas être là, elle est demi-gabonaise. De sa peau. Ouais, donc tu dis quoi? Donc tous les métis là. Attends, les Gabonais ne sont pas des blancs. Non, s'il y a une métisse, c'est qu'elle n'est pas gabonaise à 100%. Ça, c'est clair. Bon, donc elle, ce n'est pas elle qu'on devait envoyer.